Nous sommes la DEOA et on va leur mettre des doigts. Ta mère la pute, arrête. Permettez-moi de vous baiser. Oh oui, bien sûr. Je vous laisse vous mettre tout nu. Allez-y, vous aussi, baisez-moi. Ce soir, ça va pas bouillir, madame. Bien sûr que si. Mais elle est malade. Les gars, comment je fuis ce date bizarre là? 69 pour la DOA, vous avez déjà commencé la réunion? Non, 4ème étage. Bien récit, ils arrivent. Eh, dépêchez-vous, Bijou, on n'a pas tout notre temps. Ouais, dépêche-toi, Bijou. Bah, je suis sur le parking, mais m'attendent là. Toujours en dernier. Non, il t'attend 4ème étage, Bijou. Est, allez, cours. Mais quoi? Pas coupé. Collègue. Bonsoir les collègues. Juste salut, vraiment salut, j'ai envie d'être salut. Honnête avec vous. La vie de ma mère, j'ai rien foutu du tout depuis la première réunion. Mais ça on le savait de toute façon. Voilà, je suis désolé, je l'avoue, voilà, je vide mon sac. Je vais me mettre à poil, je pense, pour la DOA. Non, bien sûr. Pour la PA, c'est la même chose. Très bien, collègue. Oui, allez-y, moi aussi. Je sais, c'est ça qui me dérange. C'est que, bon, ça y est. Ravis-toi, toi. Faut les mettre à poil. Bijou, c'est bon après. Excusez-moi, j'entends. Non, mais je pense simplement que. En fait, on n'a pas le droit d'être classe. On est obligé d'être. Voilà, on est obligé de forcer sur les couleurs. C'est juste, je pense, voilà. Pour l'instant, ça va être comme ça. Et si tout le monde reste après, ça va être plus l'accessible. Vous avez des infos sur quand est-ce qu'on aura le t-shirt DOA qu'on avait avant? Ah oui, c'est vrai, le polo. Je pense pas qu'on l'aura. Non, on l'aura pas. Manque de budget, ouais. Parce que bon, là, on dit encore la DOA. Non, ils ont juste. Non, mais écoutez. C'est juste simplement que du coup maintenant avec le SASP il n'y a pas de division DOA en soi, c'est Gang Unidus qu'on continue à dire DOA. Quoi? Perso je préfère. On est même pas officiel. Mais on est des en fait en gros on est revenu au terme Gang Unit et tournez-vous 16. Vous avez mis une petite dans le cul, je reconnais. Ouais je vois bien le Gang Unit là, ouais. Voilà. Il est pas mal hein, le Gang Unit. Oui effectivement. Vanday il est bien ma tenue ou pas, regardez. Donc j'ai ça. J'ai fait ça pour la bac. J'ai fait ça aussi. On est mort de vous. Mais ça c'est très bien pour l'infiltration, mais ça, j'ai fait ça aussi. Ah, ça c'est bien ça. Mystery. Et j'ai classe, fait ça aussi. Mais pourquoi vous avez un bracelet électronique? Pardon, qui c'est a un bracelet électronique? C'est vrai, pourquoi t'as un bracelet? Capitaine, il veut savoir où je suis tout le temps. Oui, mais c'est très bien. Il va le garder. Vous aimez bien les tennis, 22? Oui, mais il vous faut une tenue noire et beige aussi. Ah moi j'aime pas ça. Hein. Quoi? Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez vous mettre en transpirant? Et je crois que de toute façon, il n'y a qu'un détective ici. Toute seule 06. Les gars, c'est pas ce que vous croyez. Il n'y a que vous en détective 1. Non, oui, les gars, c'est vrai qu'il y a un taureau. Okay. C'est vrai qu'il y a écrit Red Bull, mais c'est pas de la Red Bull. Vous pouvez vous mettre en transpirant. Bah, on est déjà en transpirant. Non, les gars, bah nous, c'est vrai qu'alors, il y a beaucoup d'indices qui pourraient. Merci, voilà. Il y a beaucoup de choses. Ouais, même sort, carrément, dégage. J'ai fait une SADEC. J'ai fait une SADEC, les gars. J'ai dit que j'arrêtais la cocaïne. Je suis retombé dedans, les gars. Casse-toi. Non. Et encore, lui, c'était fake. Comme d'hab. Les gars, c'est... Bon, 06, ce que je pense d'elle, moi, honnêtement, c'est que... Non, vous allez pas... Regardez, si vous entendez le la psy... La dernière fois... C'est pas le vrai psy... Je voulais partir en planque DOA, hein. Et elle est partie sur un jeu de viking. Elle m'a dit, j'ai la flemme. Voilà, donc voilà ce que j'en pense de 06. Ah ouais, elle est partie en opéré Shadow. Revenez, 06, c'est quoi cette histoire, là? Elle est belle... Elle a dit, après, j'ai la flemme. C'est bien. C'est le jeu non. Bien, pour cette alors, excusez-moi, mais des fois, je préfère... Sur ça que... J'étais à une réunion tout à l'heure, on m'a proposé, les gars, je pouvais pas dire non. Ah, dommage. C'est dommage parce que je voulais. Non, dire mais les gars, oui, c'est ma santé, c'est vrai, c'est pas bien. Mais. Détective 2, et vous passez même détective 3. J'étais à une réunion, on m'a dit, quoi? Tiens. Ah ouais, putain, oui. Double GG. F maintenant. Oh et du coup, bon, je sais pas si vous êtes tous au courant, mais 06, it's my bras droit. Maintenant. C'est une femme? C'est une femme? Ah, incroyable. Oui. Ouais, c'est une femme, c'est la gauche. C'est votre bras droit, ouais. Ouais, c'est. Juste bras droit, ouais. Ouais, juste bras droit. Félicitations, merci beaucoup. Non, en vrai, c'est vraiment merci. Mérité. Je m'excuse aussi parce que du coup, je vous ai laissé aspirant pendant des plombes. Bah, félicitations tous les deux d'ailleurs. Qui? Bah, vous deux, c'est pour le mariage. Dame Sakota. Non, parce que on n'est pas bêtes, hein, Vandé. On n'est pas dupes, hein. Ah ouais? Bah, je pense que vous l'avez fouté dans le cul, quoi. Non, c'est bon, j'arrête, continue la réunion, désolé. Ça y est, vous voulez tout le temps, je me fais taser, j'en ai marre. Oui, bien sûr. Je me demande si vous aimez pas ça. Hein. Non. Les gars, voilà, juste je vais faire la vaisselle, j'arrive. Voilà. C'est à Glenn de gérer, donc voilà. Là, c'était plus pour les promotions, ok. Du coup. Ah, c'est tout là. Oui, concrètement, après on va parler sur du le reste. Dernier vol d'un cavalcade. 80... Qui est passé? Ah oui. 80, 10. Vous êtes aspirant. Oui.
The Detective 2. Nickel, ouais, youhou. Super. Mais t'entends, viendra. Super, 16, bravo. 16, 28. Oui. Vous êtes aspirant 2. Exactement. Quoi? Donc attends, attends, attends. Aspirant 2, let's go. Il y en dans a 7, ici, ils trouvent 7, des labos de coke. 16, je vous ai pas trop vu. Je vous mens pas. Elle était pas mal avec moi, 22. Elle a trouvé okay. pas mal. Après, ils étaient présents, les deux étaient présents sur le. Oui, non, la bah, sur les 3 découvertes. Ouais, ouais. En vrai, les vous... deux. voilà. Non, mais. Bah, vous passez détective 16. Non, mais attendez, vous savez. Non, mais attendez, vous savez à quel point j'ai transpiré pour trouver ce labo de coke? Vous savez, j'ai dû sucer des bites pour trouver ce labo de coke, d'accord? Oh les gars! J'ai dû avaler des queues, d'accord? 28. Oh les gars! 28. Ouais. Ouais. Re. Du coup, j'ai une très bonne nouvelle pour en vous. En fait, j'ai fait la ouais. vaisselle de une assiette. Pour, 97. Allez, ça j'ai fait juste une assiette. Non, non, c'est pas parce que c'est la seule assiette qui rentre dans le micro-ondes. C'est un excellent. C'est la seule, les gars. Enquêteur. Comment? Oui, voilà. Excusez-moi, vous pouvez répéter? J'ai pas. Du coup, j'ai faisais la vaisselle. Vous avez basculé côté crime en tant que super. Détective. Moi? Nickel. Non. Pour de vrai? Oui. La bravo, vite. Bijou. Bravo. Non mais c'est ce que je voulais pour de vrai. De 28. Je parle de 28. Ah. Chier. Non, c'est pas vrai. T'es un menteur, 22. Ah non, je suis sérieux. Mais je voulais vraiment. Il parle de moi, donc, il parle coup, de donc, du coup, on peut dire au revoir à 28 côté Dewa. Salut, je pense hein, que tu vas apporter beaucoup cadeau. Côté crime. Voilà. Salut, salut. C'est un plaisir. C'est vrai, vous le mettez côté crime? Ah oui, 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 on a besoin de personnes performantes. Comme salut, hein. Allez. Mais non, mais. Allez, ciao. Si c'est une blague, c'est un peu trop long, par contre. Hein. Allez, revenez, 28. Bon, d'accord. Oh shit. Si vous insistez, je reviens, d'accord. Vous passez détective aussi également. Okay. Quoi, détective? Oui. J'ai step up de combien de grades? Félicitations à vous, félicitations. Hey, félicitations à vous. Hein. Comme diraient les Arabes, the bien. Il y a un clochard, voilà. Aïe! Calmez-vous. Mais c'est la vérité, il dit ça, aïe! On n'est pas à Barbès ici. J'ai la rêve. J'ai la rêve. Bijou, parce qu'on a pas passé le cas bijou. Oui, bijou. Aspirant. Vous n'avez rien glandé. Vous passez à la MC. Bijou. Vous pouvez me virer pour de vrai, ça me dérangerait pas. Hein. Vous allez trier les saisies. Est-ce qu'on a donné un accord pour tourner un film d'impression? Mais vous restez des OA, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. Mais en fait, j'aimerais bien, mais. Mais. Moi, j'arrive pas à la paperasse, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Non. Est-ce que même vous avez fait quelque chose sur le terrain? Quoi? Il a dit voilà. Bah, c'est musulman, ouais, y'a des musulmans en Amérique! Oui! Toi! Y'a rien qui va exploser, vous inquiétez pas! Quoi? Mais mettez le poste en sécurité! Je suis pas mais quoi? Toi, musulman! Non, mais 22, pour de vrai, j'ai dû. Vraiment, je crois que j'ai des. T'es papi au fond. Oui. Bijou. Ouais, la phobie administrative, ouais. Bijou, sur le terrain, vous faites quelque chose? Mais par contre, vous savez, vraiment, j'ai une phobie administrative pour de vrai? En vrai, si, vous avez la phobie. Mais tu fais jamais de l'administratif en vrai. Oui, juste faire du terrain et. Je reçois des messages de l'URSSAF, j'ai t'as peur. T'as dit quoi? J'ai dit 28, faire votre paperasse. Mais y'a pas de blague, vraiment. Mais non, mais c'est mort. Mais pourquoi je ferais sa paperasse? Voilà, les gars, c'est voilà que c'est non, vrai. Mais par contre, réellement, oui. Bijou. C'est vrai. Juste pourquoi y'a un clochard par terre là? Non. Ok. Ah, mais. Mais vraiment, un mec là. Y'a personne. Je veux y'a un mec là. Oui, mais putain. Dégagez-le, bordel! Dégagez-le! Mais c'est pour ça que j'écoute pas depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me concentrer! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'avais même pas vu, moi! C'est un moustique! Reviens, 28. J'ai failli perdre. Mais plus sérieusement, 22, oui! Qu'est-ce que vous allez me dire? C'était intéressant! Ça avait l'air intéressant! Je dis vraiment, bon. Merci, lunettes! C'est pas votre fort côté paperasse. C'est ça, c'est pas mon fort. Mais je veux que vous apportiez sur le terrain, parce que si vous faites rien constamment, ça va poser soucis. Ça va me virer, quoi, mais ça va me sauter. Ben oui. Et vous pouvez apporter sur le terrain. Trouvez-vous un duo pour que vous soyez complémentaires. Il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous apportiez. Oh, j'ai capté, ouais. Ok, 69. Arrête de démarrer une voiture, toi, une moto. Je sais pas ce que tu démarres, là, au niveau des duos, on a quoi comme duo? Souvent, vous travaillez avec qui? Il y a une Oxta Game Michou, je crois, sur internet. Amine et Mili. Moi, je travaille pas mal avec 28 et 16. Okay. Mais qu'il a rien compris.
Il s'est trompé de réunion. Je peux vous dire que, ça serait bien que vous trouviez des duos. Peut-être dans le futur, on verra au niveau des voitures, etc. Triple Mons pour une meilleure organisation. Ça marche. Oui, on verra. Si le futur. C'est raciste. Et par rapport aux voitures, du coup, si on a des giros, on peut les mettre. Enfin, on peut acheter. Moi, par exemple, je peux acheter un véhicule, mettre des giros dessus. Mais et rendez-moi mes chiens, il est fada, vous. Je, ça, mais qu'est-ce que vous... Il a un zoo dans la poche. Bon allez, rip. Je peux leur tirer dessus ou pas? Non, pas le tutu. Alors non. Non mais 22 quoi, aïe, même pas mal. Même pas mal. Continue à réunion, aïe, même pas mal. Continue à réunion, même pas mal. Continue à réunion, 22, continue. Même pas mal, j'ai dit, même pas mal. 22, aïe, j'ai mal. Là j'ai mal. Là c'est bon. Oh la réunion. Par contre, la moustache de Bivou me perturbe. Ça fait penser à quoi? Ça y est, la bécane là. C'est terrible. Je vais jamais y arriver. Hein. Mais pourquoi je vous ai pris, mon Dieu? Fort. Pour préciser. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une bonne ambiance 22 et on fait du bon travail. J'avais oublié de fermer la parenthèse. C'est incroyable. Pardon. Vous pensez qu'il y a autant d'ambiance côté MCD? Non, c'est sûr que non. Vraiment. Mais elle, on dirait vraiment un moteur qui a du mal à s'allumer là, c'est fou. Ouais, vraiment, on dirait un diesel. Aïe, mon crâne! Non, le pauvre 22, il arrive pas à faire sa réunion, le pauvre. 22, vraiment, faut que vous dites les choses quand vous en avez marre, vous le dites. Oui, c'est fait aussi, je crois. Triple monstre. Bon, ça suffit là, un peu plus sérieux, d'accord? C'est le moment de tester votre fugitive. Mais. Attendez, c'est vraiment moi qui dois vous dire d'être sérieux. Non, allez vous faire foutre. Tu le dis fort ou pas ? Voilà, c'est parfait. Allez, on reprend le sérieux. Bon, là, merde. Du coup, merde, au niveau, merde. Ce que je disais, taisez-vous, bordel. J'aime bien ça. C'est très bien. Bah parle maintenant, tu me dis tais-toi, parle. Comment ça parle ? T'es fou, ce mec. Aïe ! Ça faisait longtemps, ça. Du coup, trouvez-vous des duos, ok? C'est important. Bijou, y'a qui veut aller avec lui là? 9-7! Pas moi, jamais de la vie, il est mu. Non mais vraiment! Bah. Non mais j'ai chiffré. C'est qui ça? C'est Michou. C'est Michou. Hein? Bah ouais, arrêtez les gars, c'est du sérieux, s'il vous plaît, arrêtez de faire des trucs comme ça. Change la télé, parce que vraiment arrêtez les gars, il y a 22 qui parlent, vous, c'est un manque de respect. 80. Pourquoi ça continue la musique là? Vous prenez Bijou. Ouais. Vous partez en déo ce soir. Non, 22, non, mais 22, je pense qu'on forme vraiment un bon duo. Mais moi, j'ai pas le temps. Le problème, c'est que si vous. Excuse-nous, Inoxtag, t'as les vrais, t'as à grimper. Bon, 80, on va ensemble du coup, 80. T'as les. Non, mais parce que. Non, mais. Fais le ministre ici là. Et Bijou, vous êtes à deux doigts. Hein. Vraiment à deux doigts. Hein. De fier, ouais. De toi de vous dire bonne soirée. Allez, ça y est, là, allez, concentrez. Je suis à Denem. Pardon. Allez, ciao. Allez, au revoir, Michou. Non, elle était drôle. Accordez-lui, reviens. Non, vraiment, je me tais très bien. 80, j'accepte. 80, c'est mon gars. Non, bleu. Non, putain, bon, allez. Allez, vous partez en DOA ce soir, ok? Ok. Je veux du résultat. Non, mais moi, vraiment, moi, je travaille mieux quand il y a du féminin dans le groupe. Non, ah mais moi je suis pas là ce soir là. Moi je reviens fort. Non, bah avec 06. 06, tu veux venir avec nous? Hein? On part en tango d'eau. Moi j'ai des projets avec 28 ce soir. Ah. Non, mais ce soir je suis pas là. Ah pas oui, là, la conception j'ai de des projets avec 10. Ouais, ouais. Conception d'un nouveau projet, un nouveau gosse. Non mais 80, il est bien pour vous. 69, 80, c'est parfait. Il y a un chat ou ça? Le couple. Non, j'ai dit chala. Ah d'accord. Faites gaffe. Du coup, j'ai une question. Si j'achète un véhicule, imaginons j'achète un speedo, ok? Je prends des clés pour toutes les personnes de la DOA. On met des gyros dessus, c'est bon? Parce qu'il n'y a plus de speedo, il n'y a plus de tout ça là. Ah, vous écoutez pas. Oui, avec un stage 1. Comment tu sais qu'il n'écoute pas? Merci oui, Romain, pour excusez-moi. Bah, le regard vide, genre. Bah, non, il a des lunettes. Bah, oui, enfin, quoi que je lis à travers les lunettes. Le regard, on voit pas parce que. Ah, 119, c'est 50, c'est non, c'est bon, ça y est. Non, ça y est. T'as pas les couilles. Même pas cap. Même pas cap. T'as tiré à côté. Même pas cap de tirer dans sa tête. Bizarre, la tête, elle a bien reculé quand même.
Ah ouais. Aïe. Ah, t'es pas là ce soir? Non. Mais pourquoi? Non, allez, du coup, mais non, viens, viens. C'est quoi là vos enquêtes? Mais non, viens, viens. Et qu'on est en train de. Bon, non, plus sérieusement. Demain. Non, viens, viens, viens. Un point sur les enquêtes. Allez-y. Allez, j'ai envie de commencer. Allez, allez, un peu de sérieux. Qui a fait ça? Mais arrête. Les plans sur les enquêtes, ok? Les plans sur les enquêtes. Moi, je suis pas là ce soir, mais je. 80 doit interroger qui du coup? Ignacio. Ok. Opium, là, qui veut, j'irai avec moi. Il est là, il est là ou pas déjà? Oui, il est là, il est en bas. Allez, go, c'est parti. On va faire. La DOA, la DOA, la DOA. Venez, venez. Venez, on fait. On fait notre cri de guerre avant d'y aller. On met tous les mamelliers, allez-y. Mais on est dans Fort Boyard. Je vais faire quoi comme cri de guerre? J'en ai un, vous allez voir. Les collègues. En gros, il y a qu'une ruelle. Enfin, il y a qu'une ruelle. Il y a qu'une. Alors, fin de guerre, tu fais observer. Allez, les collègues. Mettez la mamellier, mettez la mamellier. Allez, 3. 2, 1. Nous sommes la DEOA et on va leur mettre des doigts. Ouais. Nous sommes la DEOA et on va leur mettre des doigts. Allez, c'est parti, les collègues. Ouais. Super. Allez, on équipe. Ok, Marty, là, j'ai déjà fait la vanne. Ah ouais, sérieux? Non, c'est dingue. Je vais faire le dossier pour que ce soit bien. Marty? Le but, c'est de faire semblant qu'on est chiant. Tu t'en occupes? Enfin, on s'en occupe tous les deux? Ouais, on va s'occuper. On va où, là? Premier. Vaut 1. On va le chercher déjà. Il est pas là. Voilà, fils de pute. Il est peut-être au moins 1. Fils de pute, tête de neuil, frère. Il est peut-être au moins 1, collègue. T'as capté le dossier, tout ça, c'est bon? Ouais, j'ai vu vite fait. C'est un mec qui a été arrêté sur la récolte de graines de cocaïne. Et il faut savoir de quel gang il appartient. C'est ça, il a été arrêté avec tous ses collègues là, mais ils veulent pas assumer que c'est des malos 9-6. Enfin, la plupart. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans le dossier. Je veux maintenir une DOA? Non, pas celle-là. 97 pour si, celle-là. Vous savez où est le Ignacio que vous avez dit? Il m'a dit qu'il était dans le hall d'entrée. Mais il y en a 3 des hauts, putain. 10-4. La dame a posté sur la Jackal Rouge, et puis je vais avoir le numéro s'il vous plaît pour TPH. Pourquoi on a 3 halls d'entrée aussi? C'est où? Va où là? Premier. Il est peut-être là à droite. Ah ouais, c'est vrai ça. Il connaît par cœur le comico. Enfin, je pense que ça doit être normal de le connaître, mais faut. Comme moi je suis. Non, mais non. Ah, il est là, devant. Il est où? Non. Ah, peut-être là. Monsieur Ignacio? Bon, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, police. C'est de quel monsieur Ignacio? Alors, il y a monsieur Ignacio et monsieur Ramirez. Monsieur Ramirez, il a été convoqué aussi? Oui. Ah bon? Attendez, il a été convoqué par qui? Moi, je l'ai pas vu dans le dossier. Vous avez été convoqué par qui? Je ne sais pas si c'est pour les mêmes. Ce n'est pas pour les mêmes faits, attention. Non, c'est pas pour les mêmes faits que moi. Ah! Monsieur Ramirez, comment? Que je représente les deux personnes, ça va être compliqué du coup. Ah. Très bien, oui. Ramirez, comment vous avez dit, pardon? Flavio. Ok, attends. Qui est la personne qui a convoqué monsieur Ramirez Flavio? Je sais pas du tout. Par qui vous avez un bracelet? Capitaine, vous êtes en course. Pardon? Par qui vous avez un bracelet? C'est une entorse, monsieur. C'est pas un tournage du coup, d'accord. Hein? Ah, oui, vous inquiétez pas, je suis policier, regardez. Oui, ma carte, je sais bien, ma carte de la SAS. Ils ont vraiment pris 50 000 $, on vient de m'appeler, la bijouterie vient de m'appeler. Voilà, faudrait être solide sur les appuis, on a des bons arguments là. C'est pourquoi vous dites ça pour ma situation? Ah oui, pour vous, hein, oui. Mm-hmm. Très bien. Hein. Bonne preuve. T'as vu pour vous. Des bonnes photos. Je dis quoi. Belle photo. Photo. En 4K? Minimum. 4K, même la photo elle est en 120 FPS. Incroyable, carrément elle bouge. C'est un gif. T'as pas été convoqué dans le Nord? Ah! Non, parce que moi du coup j'ai pas fait le truc à fond quoi. C'est dans le mur que monsieur Ramirez. J'ai même pas vu le dossier, les gars. Starfall, j'ai même pas vu le dossier. C'est en lien avec un braquage de train, il me semble. On va voir, les gars, si je gère en impro. Vous pensez que je vais gérer, les gars? Merci pour les beats, Maëlan. Si, va falloir mademoiselle Mira. C'est ta première convocation? T'es pas obligé d'y aller? Non, ma deuxième. Ouais, non. Comment ça, t'es pas obligé d'y aller?
Bah on peut retarder l'effet sur une première convocation. Bon déjà on s'occupe de lui, duré, après on redescend. Oui, on va est-ce que vous pouvez prévenir vos collègues du Nord que monsieur Ramirez est avec moi et que comme je représente les deux, je peux pas être à cet endroit en même moment éventuellement. Non, non. Sachant que mon collègue est mourant et très malade. Qui non. Un CO. Non. Oh. Pas non monsieur. Quand vous entendez parler de CO. Pardon. Je parle bonsoir. De... Bonsoir madame, vous faites quoi? Mais c'est 16. Ah pardon, ça excuse-moi. Pas de soucis. Tu feras gaffe, t'as les crampes. Ah demain oui, t'as les crampes. Ah pas rien. Oui oui. Oh vous savez c'est entre collègues quoi, c'est la déconne quoi. Ouais, la rigolade. Ouais, et par contre vous allez moins rigoler. Ah parfait. Et que cette vitesse à 170 km/h monsieur, j'ai ça c'est... 30 000 infos, vous irez à l'infini. Ok. Bon bah allons-en. Monsieur Maramirez, si vous voulez déjà y aller, on trouve là-bas, c'est vous qui payez. Hein. Ok, ouais, j'ai quelque chose. Bon bah allons-en, on passe par là, venez si c'est moi. Oui, je vous suis. Je tire la porte, allez-y, rentrez. Allez-y, allez-y. Ah voilà, voilà, attention. Attention. Allez-y. On va directement en salle d'interrogatoire. On veut pas les menottes, monsieur. Hein. Non, pas besoin. Vous avez toujours votre bracelet, vous, oui. C'est bien. Vous avez pas tenté de le retirer, votre bracelet, monsieur? Non. Au moins un. D'accord. On n'a pas dit votre avocate? Ah non, là. Non, je sais. Faites gaffe, le parquet grince parfois, c'est souvent. Ah, d'accord. Pardon les gars, voilà, désolé les gars, désolé. Désolé les gars, désolé, désolé. Mais en fait, ils sont propres. Non, mais ils sont propres, les gars. C'est pas des héros puants, c'est des héros. Ils sont clean. C'est pas des héros de nourriture, c'est des héros juste. Voilà. Putain, je suis rempli de gaz. C'est vrai, ça en plus. Allez-y, je vous laisse. Avec votre enquête, juste. Venez 69, on fait un petit point, vite fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut faire un également. 69 et 80, 10, 6 pour interrogatoire. Vous savez pour quelle raison vous êtes convoqué de toute façon. Vous allez lui expliquer pourquoi vous êtes convoqué, monsieur. Il a été arrêté sur triple monstre. Une récolte de graines de cocaïne. On va faire un topo, les gars, sur le dossier que j'ai jamais vu. Plusieurs personnes. Les gars, c'est parti. À plusieurs sur cette. On va faire un topo, les gars, ok. Il était en possession de. Topo, les gars. Graines de cocaïne. La cocaïne. Qui toque? Attendez. Oui, c'est moi, collègue. C'est toi? Attends, c'est qu'il faut que je lui dise pourquoi il est là. Ah d'accord, allez-y. Dans l'abus. Si ça toque, entrez. Oh, il va casser la porte. Hein. Ouais. J'ai tout un jour dans ma main. Mec, il est grave fou, il toque pendant 20 minutes. Vraiment un PNJ mal scripté. Attends, parce que là... Mais arrête, gros bâtard! Où est-ce qu'on met au goût de les R? Collègue, j'arrive juste, je vais ouvrir le dossier. Mais arrête, gros bâtard! Il est actuellement 23h13, vous êtes en état d'arrestation pour deux chefs d'inculpation. Complicité de braquage d'entreprise. Sachez que les chefs d'inculpation peuvent être amenés à changer durant la procédure. Durant toute la procédure, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas le moyen, un avocat vous pourrait être commis d'office. Si vous en ressentez les besoins, à boire ou à manger vous sera fourni, ainsi que des soins médicaux. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous voulez faire valoir? Pour le moment, non. Ça marche. Hop, du coup, madame, je procède à une fouille si vous m'en permettez. Est-ce que je vous laisserai vous retourner?
Elle vous sert à quoi cette batte? Elle joue au baseball. Oui, oui. Oui. Ah, c'est vrai, en cours. C'est quoi votre meilleure équipe de baseball, madame? Eh, je connais pas, moi je joue juste. Ah, c'est ce qu'il me disait. Moi je connais pas, je joue juste au baseball. C'est pour. Ça. Ouais, c'est pour avec, vous, avec vos fausses Louis Vuitton Nike là, du bled. Hein, madame? Ouais, je hein me permets pas. Ah. Non, mais je vous jure par contre. Ah non. Okay. Ah. Viens, ça. Excuse-moi, ouais. Ok, donc lui. Il était présent donc également sur les lieux, ok. Ok, ouais. Il avait. C'est pas noté, d'accord, mais il avait environ 9 à 10 graines de coke sur lui. De toute façon, on s'en fout, maintenant le code pénal a été modifié. J'ai trouvé ça sur lui. Là, là, maintenant? Ouais, ouais, ouais. Sur le tâche de gueule. Ouais. Donc voilà, le montant de combien de graines, on s'en fout, vu que le code pénal a été modifié. Maintenant, si elle colle une graine, c'est considéré comme trafic. Ok, donc il n'y a plus d'une graine, ouais. Elle est égale, ok. C'est ça. Le but, là, pour nous, en gros, surtout pour lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire avouer que les autres étaient des Malo 9-6. Lui, on s'en fout s'il se déclare pas que c'est un Malo 9-6, mais c'est qu'il confirme que les autres sont des Malo 9-6. Faut qu'il poucave, quoi. Voilà, vu que les autres ont, entre guillemets, menti, parce qu'on sait que c'est des Malo, mais... Merci CBL, merci Ascar. Déclarer. Merci les gars. T'as capté? Ok. Est-ce que tu veux que je te laisse les questions, comme ça moi je note tout? Ouais, je veux bien. C'est mon rêve. Vas-y, vas-y, bah attends, je change juste la paperasse, je vais dire à l'avocat. Après bon, faut que je pose des bonnes questions, quoi. J'ai totalement confiance en toi. Faut juste être un petit peu subtil sur la question sur les malos. Mais oui, le reste, c'est ça. En fait, faut la poser sans la poser, quoi. C'est ça. Faut essayer de lui faire dire sans qu'on lui montre qu'on veut cette information. Donc, c'était quand déjà? C'était il y a fou, ça. Attends. Et nous c'est quoi? On a la preuve formelle qu'il a fait ça? C'était le 5-10. Oui, il a été arrêté sur les lieux. Ok. Donc juste en gros... son DA a été mal fait, donc faut regarder sur quelqu'un d'autre. Okay. Mais donc faut c'est tous les mêmes DA en gros. Mais regarde, si tu veux, dans les dossiers d'opération, c'est OP DOA Caillou. OP DOA Caillou, ok. OP DOA Caillou. Attendez les gars, je vais vraiment regarder pour de ça. Je vais essayer de poser des vrais trucs, comme ça vous allez kiffer vous aussi. Mais attends, mais c'est dans bureau DOA? Non, dans l'intra SASP. Dans l'intra SASP, c'est dans les dossiers d'opération. Dès qu'il se passe un truc, on ouvre un dossier. Voilà, là, tellement je suis con. Tellement je suis con, il mixe. Tu veux que je te. Attends. Non, je l'ai, mais je cherche les informations. Ce que tu fais, c'est que tu regardes sur le MDT, tu regardes le dossier limite de Dante Junior Cruz, il a toutes les informations dedans. Attends, je vais parler à l'avocat du fait. Donc, attends, oui, c'était. Donc, il avait en sa possession. Une dizaine de graines de... Vous l'assurez? Comment? Vous l'assurez? Là, sur ce point, j'ai un problème. Dites-moi. Simplement parce que... mon client s'est haut et fort qu'il n'avait absolument rien sur lui lors de la... C'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Oh, j'en panique. Il n'avait rien sur lui. Bon, attendez, je vais regarder tous les dossiers. On va sortir tout. Oh là là. Collègue, désolé. Donc collègue. Ouais. Donc on a Raquel Micaelo Soto, Dante Cruz. Lui c'est Dante Cruz. Non, lui là c'est Ignacio Peña. Ok. Est-ce que tu peux me ping sur l'endroit exactement? Faut que je regarde. Ouais. Bah alors déjà sur le MDT. Il y a tout le dossier. Sur les MDT, ouais. Ouvre le dossier de Dante Junior Cruz. C'est pour avoir le dossier d'arrestation. De comment on s'appelle? Dante Junior, D-A-N-T-E. C'est dans rapport slash dossier? Non, en gros, tu vas dans... Putain, ce que c'est mal au crâne. Dans recherche individu sur le MDT. Ah oui, ah ben oui, je suis con. Tu tapes Dante Junior. Putain, les gars. Attends, t'es JR Cruz. Ok. C'est bon, je l'ai. Braquage à main armée, hypermarché. Ouais, mais là, tu descends, tu vas sur dossier d'arrestation, tu fais voir le dossier de Lilou Foster, le 6-10. Dossier d'arrestation. Ah oui! Dossier clôturé. Ah! Et là, c'est bon, j'ai tout, masterclass. En gros, là, t'as le rapport d'intervention sur ce qui s'est passé. Ah, mais je l'avais pas lu, c'est en la fait. Même chose, c'est la même chose pour le Ignacio, ok? Juste là, on n'a pas la quantité qu'il avait sur lui. Bah, si, on a des 10.
Non, mais là, c'est pas lui, là. Ça, c'est Dante qui avait dit. Lui, on sait pas, lui, c'est pas marqué dans le dossier. Merde, ok. Le but de l'opération était d'avoir des vraiment des. Nous avons commencé notre planque à 22h15. En observation sur les deux points de récolte 06-28 et moi au sommet de la tour électrique. Ok, nanana. En surveillance, nous avons aperçu une première voiture blanche se garer dans un hangar bateau désaffecté. Attends, elle est pas là. Trop compliqué, les gars. Ça mérite freestyle. On a freestyle, les gars. Freestyle. C'est bon, ok, c'est bon. Celui-là, je l'avais lu. Donc là, au moins, tu es au courant de. Voilà, moi, c'est bon, je suis chaud, je suis prêt, collègue. Bah, fais vite, frère. Hein. Triple monstre! Les gars, let's go, les gars. En fait, il faut pas croire au dossier, les gars. Moi, je crois en Dieu. C'est parti, les gars. On va t'aider, t'inquiète. Vous avez MDT, Hassoul. Les gars, au talent. Donc, Ignacio Peña, lui, il a été arrêté par 4 ans. Tout ça, ça a été mal fait sur lui. Et du coup, les faits qu'ils sont reprochés, c'est quoi exactement? Ça va être trafic de drogue aussi. Ok, mais ok, juste ça. Faut juste qu'on arrive à montrer qu'il avait au moins une graine. Mais il n'y a rien de noté sur lui, ça me casse les couilles. Fait chier. Bah, on essaie de le faire avouer. Et du coup, c'est ce que je suis en train de voir avec 10 s'il a l'information. Mais en vrai, au pire, je tue l'avocate. Et que ça ne voit rien, et je lui mets un flingue sur le crâne. Non, ça marche pas comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, là, je suis en train de relire vite fait le truc d'OP, voir si on a le truc, mais putain, ça me fait chier. J'ai une OP d'ailleurs bientôt. Une OP D. Quoi ? Non, une OP 2. Ah, vous avez dit le P-word, c'est pour ça en fait. Non. Il a fait de quoi? Non, rien. Ah ouais. Il allait faire un raid. Non. C'est fini. C'est un DA, ouais. Bon. Moi, collègue, quand t'es prêt, c'est beau. Hein. Ah ouais, je sais, j'attends juste d'avoir l'info parce que sinon ils vont dire bah non, mais il avait rien. Mais... Ta mère la pute, arrête. Excusez-moi. Oui, dites-moi. C'est vous qui criez comme des connards là dans le tout le PDP? Non. Non, pas du tout. Ah pardon, excusez-moi. Mais il... Ça y est, on est en 2012. C'est bon, j'ai enlevé le doute sur moi, les gars, c'est carré. Hop là. Hop là. Faut aller au culot, les gars, faut aller au culot. Bonsoir. Bonsoir, madame. Toujours un homme, hein, ça bouge pas. Hein. Oh, excusez-moi. Pas de galère. Excusez-moi, vous êtes dans. Allez, si on va procéder un petit interrogatoire à la sortie de là, s'il vous plaît. Albinos, vous savez que c'est la première fois que je vois un vrai Albinos à Los Santos? Non, parce que je vous ai déjà vu, vous m'avez dit que je ressemblais à Central. Fais quoi toi avec ta veste d'inspecteur gadget là? Pardon, je suis actuellement. Oh, Halib, comment ça va? On va vous interroger. Soir. Wow. Super, venez là-bas. Et il nous l'a jamais ce Halib. Non, enfin, pardon, j'ai dit. Attention. Halib peut en cacher un autre. C'est vrai. Allez, on va aller à l'interrogatoire, c'est où les. Allez, retournez-vous. Petite claque là dans la nuque. Gadget, bâtard. Oui, je suis en interrogatoire là. Aïe, putain. C'est vrai que je t'ai vu. Ok, bon interrogatoire toi, mon gars. Merci beaucoup, vous aussi. Tu l'es. Il y a des... Psst, hey, psst. Hey, ouais, psst. Pas des criminels, monsieur. Pardon? Je jure. Hein? Alors, on m'avait dit que c'était un film, moi je devais juste faire des drifts. Vous avez fait quoi, monsieur? Je suis pas flic, regarde, j'ai un bracelet. Bah regardez, hier on m'a appelé pour faire un casting de film et on m'a dit comme vous êtes dans les
les trucs du drift et tout, ben on aurait besoin de beaux pilotes et tout pour faire des belles scènes de drift et tout. Hein. Du coup, on nous a appelé et on est allé plus loin. Puis après, on nous a appelé pour faire drifter autour des voitures. Ah, d'accord, ouais. Ah, oui. Puis après, on est parti en course poursuite. Puis moi, je m'emmerde. J'ai semé le monsieur. Puis après, je suis revenu. Puis après, ils ont dit c'est un vrai braquage. Du coup, je me suis arrêté. Mais l'autre, il m'a mis. Je m'emmerde, ok. Mais t'es trop méchant, sale bâtard. Ah, ok. Bien, bijou. Oui, collègue. Bon, en gros, on va faire un truc pour lui. Skin. Lui, tant pis pour le trafic, on va dire entre guillemets. Okay. Pour la quantité qu'il avait de graines, puisque voilà, ça a été mal fait, etc. Enfin bref. Merde. Du coup, on sait pas combien il avait sur lui. Juste, on sait qu'il était présent sur les lieux, puisqu'elle était arrêtée sur les lieux. Ok. Notre but, là, du coup, ça va juste être de le faire avouer qu'il était avec qui eux. Était avec et qui était donc avec on doit lui. Le faire avouer qu'il était là. Voilà, mais ça, on sait qu'il était là. Mais juste, avec qui, pourquoi il était là. Et s'il y a des affiliations au Malo 96 des autres. C'est quoi sa défense pour l'instant au gars là? Non, on n'a pas commencé encore justement, je voulais être... C'est qui son avocat? Mila. Mila. Ok, bon ça devrait aller. J'ai répété oui, juste le blaze ça. Putain. Et du coup voilà, ok on va partir sur ça. Ok, mais même carrément j'ai une idée pour le dissuader. Je vais dire, au pire je lui fais semblant que... Pas ton idée de tuer l'avocat? Non, pas celui-là. Non mais okay. En gros genre je vais dire ouais... Enfin, plus avancé dans l'interrogatoire. Si j'ai pas, c'est mon plan B en gros. Je veux dire, vas-y, ouais, bon, de toute façon, je te fais confiance, on va laisser de côté le chef d'inculpation de combien t'avais sur toi. En gros, je vais essayer de le faire avouer que le gang, que c'est bien les quoi les c'est Malo. Les Malo. Malo 96. Je vais faire parce qu'en fait, de toute façon, ils vont tous être jugés en même temps pour les mêmes faits dans tous les cas. Là, ils sont tous, c'est fini. C'est bon. Je sais pas. Il est parti quand vous avez fait un. Mais moi, un accident, je vous ai demandé de descendre dans la voiture parce que vous étiez mobilisé. Le collègue, excusez-moi, vous pouvez pas parler moins fort, un interrogatoire juste à côté aussi, s'il vous plaît. 10-4. Merci. 10-4, t'es broché. Bonsoir. Ouais, c'est bon. Re, donc voilà, on va pouvoir commencer, Inch'Allah, pour l'interrogatoire, super. S'il vous plaît. Superbe. Votre collègue est là. Ok. Il est là. Si vous êtes prêts, vous aussi, on va pouvoir commencer. On est prêts. Très bien. Je vais lancer l'enregistrement. S'il vous plaît, aucun bruit dans la salle. Nous sommes actuellement le 17 octobre 2023, il est 23h28, agent Tobias. Il est con. C'est votre fils, votre père. Allez, reprenez. Refaites un enregistrement. Excusez-moi, on va supprimer l'enregistrement, s'il vous plaît. Oui, on a rien entendu, on va recommencer, non. S'il vous plaît. Effectueux. Si Dieu le veut. Alors, excusez-moi. Bref, on est le 17 octobre 2023, il est 23h29, interrogatoire de monsieur Ignacio Peña. Ignacio Peña, ici présent, qui est défendu par madame Mila. Mida. Mila Mira. Et donc, je suis avec mon collègue 80. Monsieur. Oui. Monsieur comment? Dites-le pour le micro, pour... Ignacio Peña. Ignacio Peña, si vous voulez parler, ajoute un chouïa plus fort et ce sera parfait. Pas de souci. Ignacio Peña. Monsieur Ignacio Peña, où étiez-vous, juste pour rappeler les faits, la nuit Du 5. 5 octobre. À 22h. Enfin, entre 20h et minuit. Cercueil Perrico. Très bien. Donc vous affirmez que vous étiez bien présent sur la récolte de la cocaïne. Alors, mon client affirme être présent sur Cayo Perico entre 20h et minuit. Très bien. Votre question ? Madame, excusez-moi, juste, je vais vous... Oui ? Voilà, je vais vous couper maintenant. Il faut savoir qu'il y a des questions que je pose, mais la réponse, on l'a déjà. Parce qu'on l'a quand même embarqué en flagrant délit. Voilà, oui, non, mais ça, j'entends. Voilà. Mon client donc, ne renie pas avoir été arrêté ce jour-là. D'accord, il a été arrêté sur... Où ça? J'ai la réponse, mais je vous repose juste pour commencer l'interrogatoire et voir si vous êtes transparent avec moi. Pour savoir si on peut parler sur une base de confiance. Allez-y, Peña, répondez. Au niveau de la récolte, comme vous dites. Très bien. Et que faisiez-vous là-bas? Je venais d'arriver lorsque vous êtes arrivé.
Genre vraiment il y a, je pense il y a 2 minutes qui nous séparent. Très bien, est-ce que vous étiez seul ou pas sur les lieux? Non. Vous étiez avec qui? J'ai rejoint des amis. Vous rejoignez des amis? Oui. Vous êtes donc venu seul de Los Santos? Oui. Est-ce que vous êtes sûr de cette information? Non, on est venu avec plusieurs. Ah, on est venu plusieurs, à plusieurs. Très bien. Je vais pas vous demander les noms des individus. Mm-hmm. Parce que je sais que ça risque d'être compliqué de les avoir. Hein? Vous avez pas l'air d'être très transparent et honnête. Je pense que vous les avez eus, de toute façon. Oui, on les a eus. C'est pour ça que je vous repose des questions, messieurs. Mm-hmm. Et je vois que la base de confiance, c'est pas très solide. Vous savez, moi, je marche sur la confiance. Je suis pas, je suis pas le meilleur des flics, mais en tout cas, je suis le meilleur à les airs de peine, on va dire. Si vous marchez dans avec moi, personne ne sera contre moi. D'accord. Ignacio Peña, excusez-moi, j'ai retiens mal les noms des latinos. Messieurs, Ignacio Peña. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Oui. Moi, j'ai pas de... J'ai pas... Que faites-vous dans la vie? Je travaille au pawn shop. C'est votre seule source de revenus principale? Je suis copatron. Copatron. Mais est-ce que c'est votre seule source de revenus? Le pawn shop? Non, après, il y a tendance, parfois, je vais à la mine. J'ai déjà été faire du vin. Très bien. Et voilà. Parfois, je pêche, mais ça devient rare. Très bien. Les gars, je suis en galère, Ok. Vous avez déjà fumé... Vous avez déjà consommé des substances... explicite? Non. Vendu des substances explicites? Ça m'est déjà arrivé. Ça sera pas ajouté à votre dossier, vous inquiétez pas. Arrivé. Très bien. Monsieur Ignacio Peña. Je vous écoute. Je voulais savoir aussi quelque chose. Enfin non, je voulais vous faire une affirmation. Mais cette affirmation que je vais vous faire, elle sera en échange... D'une collaboration avec moi. Collaboration, ça ne veut pas dire poucave. Mais ça m'apporte quoi de collaborer avec vous? Ça vous apporte l'affirmation que je vais vous dire. L'affirmation est qu'on va retenir aucun chef d'inculpation contre vous sur la possession de drogue. D'accord. Donc si vous voulez... C'est donnant-donnant. Voilà, c'est ça. Si vous voulez qu'on vous retire ce chef d'inculpation, j'aimerais simplement savoir le nom du groupe qui était présent. Sur les liés. Je le sais, je le sais, mais voilà, juste pour voir si vous êtes quelqu'un de confiance. C'était la malo de B6. La quoi? La quoi? La malo de B6. C'est pas ça? C'est pas ça quoi? Nueve 6, ok. Nueve 6, pardon. Donc, malo 96, c'est bien ça que vous... Bah oui, il y en avait, oui. Ok, très bien. Et vous, vous en faites partie? C'est donc oui. Bah je sais pas comment me postiger par rapport à ça, c'est derrière Mano à moi quoi. Ok. Avec qui je m'entends bien. Où est-ce que vous habituez? J'ai réussi les gars, c'est carré du quartier, Par contre je pue trop la merde hein, En fait comme je connais pas le dossier c'est trop dur. Dans leur secteur on va dire. Oui c'est ça. Vous êtes considéré comme un habitant. C'est trop dur, je connais pas le dossier. Un pequeño. Je dirais un pequeño. Ok. Après ça, vous savez, c'est pas à mes yeux hein, que je dois être considéré. Je peux pas dire comment il m'aime, s'il m'aime pas. De toute façon, vous inquiétez pas, tout ce que vous dites ici restera ici. Et vos chefs d'inculpation sont déjà là. On va pas vous rajouter d'autres chefs d'inculpation sur ce que vous me dites. S'il vous plaît. 80, du coup, je te laisse les citer. De base, on était sur effectivement trafic de drogue, d'accord. On avait votre présence sur les lieux. Mm-hmm. C'est le fait majeur, d'accord. Est-ce que j'ai une question? Je sais que c'est pas moi de poser des questions. Est-ce que ma présence fait que j'étais en trafic de drogue ou c'est... Merci Bahaniou pour le 4ème mois. Il y a également l'association de malfaiteurs. C'est-à-dire? Vous êtes associé à... Vous êtes en bonne organisée. Vous c'est êtes ça, associé oui. à plusieurs qui étaient présents sur le lieu qui étaient donc en train de récolter ces substances. Donc, on est bien d'accord que par rapport à votre recherche, on a bien constaté que mon client n'avait rien sur lui au moment où il est arrêté. Tout à fait. Voilà. Du coup, le simple fait de sa présence... En France, on s'en bat les couilles de maintenant ce qu'elle dit.
il y a un événement, si je puis dire, illégal, fait forcément de lui une personne coupable. D'où notre volonté de vouloir confirmer son appartenance à ce groupe Malo 96. Bien voilà. Sûr, après, une appartenance à un groupe ne fait pas pour autant tout de étant même... Étant donné les faits qui sont reprochés aux autres personnes, qui eux étaient en possession de substances illicites, de graines de cocaïne, et merci donc la confirmation de votre client qui du coup je peux les tuer les gars et également lui en tant que pequeño font le fait de l'association de malfaiteurs. Attends, bouge pas. Donc du coup par défaut admettons que ce groupe décide de faire un acte je ne sais pas un braquage du fait de son appartenance là ou pas là le problème c'est qu'il était présent sur les lieux. C'est ça. Ça j'entends la présence j'entends et toutefois dans tous les cas, il ne peut pas être reconnu coupable du moment où il n'a rien. La corrélation de présence plus activité illégale. Merci Sweetie Gonza pour sur Prime. Sur les mêmes lieux, font de ce fait, du coup, là. D'accord. Donc, admettons que moi, à ce moment-là, je sois un membre de ce groupe parce que j'ai l'idée de rejoindre un groupe. Et que vous êtes présente. Je pique-nique derrière. Je suis présente, mais je ne fais rien. Je pique-nique. Je suis du coup coupable. Madame, s'il vous plaît, là, on parle de faits beaucoup plus concrets qu'un pique-nique. Bien sûr, j'entends. Là, mon client est présent, il arrive sur les lieux et il se fait arrêter. Et là, on lui met une complicité. Vous voyez ce que je veux dire ? Monsieur, vous arrivez avec qui sur les lieux ? Dites-nous la vérité. J'aurais eu peut-être un interrogatoire plus tôt. Peut-être j'aurais pu vous dire. Là, franchement, je ne saurais pas vous dire. Et là, je vous parle honnêtement. Est-ce que vous avez une photo éventuellement de l'arrivée de mon client sur les lieux ? Bien sûr. Bah, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule photo qu'on a dans le pied, c'est une photo assez éloignée où on ne voit pas. Je crois qu'on l'a pas. En gros, j'explique. Il y a eu quelques photos de prise, d'accord, mais les adresses. Bien sûr, on n'a aucune photo. On a vu tous les allées et venues et toutes les activités qui se sont passées. Donc moi, je suis vraiment un bon parleur. Donc leur témoignage sera retenu au tribunal. Oui, on a la voiture blanche, mais en fait, on a. Ok, donc c'est. Les photos, elle les a déjà vues, quoi. Qui date de 2 semaines d'agent. C'est ça, ben 10 jours, allez, soyons plus souples. De 10 jours d'agents qui ont bien constaté mon client arrivé sur les lieux. Tout à ainsi fait. Que, donc ils peuvent, du coup, ils sont à même de donner le nom des personnes qui sont venues avec lui. Du coup. Ouais, en fait, je bluffe, moi j'aime bien bluffer. Le nom ou le nombre ? Le nom, pardon. Parce que vu qu'on lui demande à mon client de savoir avec qui il est venu, mais il ne sent pas. Vu du temps, il ne se souvient pas. Du coup, les agents sont à même de le faire si leur mémoire est assez vive. Je pense. Étant donné qu'ils étaient présents de A à Z sur les lieux, effectivement, je pense. Parce qu'on est bien d'accord qu'un témoignage, dans tous les cas, reste une preuve circonstancielle et ne constitue pas preuve factuelle. Tout à fait, madame. En tant qu'agent assermenté, ce n'est pas le même type de témoignage. C'est ça. J'entends. Alors, je ne remets pas du tout en cause la parole des agents, qu'on soit bien clair sur ça. Mais à tout moment, un agent décide d'avoir un grief avec une personne, son témoignage étant assermenté, il peut faire... Je me permets de vous couper. Allez-y. Sauf qu'on a prêté serment. On a prêté serment et ce serment-là fait qu'on doit mettre un peu notre opinion sur chaque individu de côté. Donc après, ça c'est à tout les policiers de les respecter. Voilà, malheureusement, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et d'après les textes de loi, la parole d'un policier assermenté est factuelle. Bien. Du coup, comme je disais, les agences même de dire le nom des personnes qui étaient avec ce monsieur, vu que lui, 10 jours plus tard, ne s'en souvient plus. Tout à fait. Ça, de toute façon, ce n'est pas à l'instant T où il faudra en parler. Ce sera votre axe de défense si vous le souhaitez. Mais alors, je ne suis pas normalement l'avocate. Oh, en fait, on s'en bat les couilles maintenant. Ça y est, frère, on a eu ce qu'on voulait. Moi, je m'en fous, les gars. Actuellement malade, oui. Ça, j'ai réussi mon objectif. Bah, du coup, 80, les faits qui sont reprochés pour en revenir à la question de monsieur. Juste pour préciser, vous êtes venu avec quel véhicule déjà sur les lieux, monsieur Peña ? Attendez, je vais regarder la photo parce que je ne saurais même pas vous dire. J'entends. Je rentre dans le jeu de la dame. Alors, soit c'est une blanche. Primo, soit une félone. De quelle couleur ? Vous dire. Alors là, c'est la couleur que vous ne pouvez pas me demander parce que ma voiture, je la change en fonction de ma tenue limite. J'entends. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres questions, 69 ? Moi, j'ai une question, messieurs. Est-ce que vous allez bien ? Bah, très bien, vous.
Très bien, très bien. Mais je vous pose cette question-là, messieurs, parce que je voulais savoir. Gagnez-vous votre vie assez. On va dire. Est-ce que le pawn shop vous permet de vivre aisément? Oui. Oui, quand même. Hein. Très bien. Vous changez de couleur presque tous les jours, vous avez dit? De voiture? Non, non, pas tous les jours, mais c'est en fonction de comment je m'habille. Vous habillez pas forcément de la même couleur tous les jours, j'imagine. Ça dépend, hein. Vous savez, j'ai plusieurs tenues. Hein. Je pourrais vous en... Mais elle serait soit blanche, soit beige, soit grise. Vous m'avez dit que dans le passé, vous avez déjà, ça vous est déjà arrivé de vendre des substances illicites. Oui. Ça pourrait vous arriver dans le futur? À présent, non, non, j'ai déjà été... Regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Oui, regardez-moi, j'ai déjà été réprimandé à ce sujet. Très bien, très bien, très bien. Ok, bah j'ai plus de questions, merci collègue. Ok, super, bah écoutez, c'est bon pour nous. Fin de l'interrogatoire du coup à 23h42. Ouais, merci de votre coopération. Y'a pas de soucis. Hop là. C'est réglé, hop. Voilà. Hop là. Hop, je change de dossier. Hop là. Donc je laisse, mon collègue est en train de faire actuellement, enfin il finit de prendre ses notes et il... Effectivement, etc. D'ailleurs, je t'enverrai les notes pour me dire si j'ai oublié des choses. Ouais, pas de soucis, collègue. Moi, j'ai une question. Dites-moi. Vous avez combien de photos qui portent dans votre dossier? Alors, bah, faudrait qu'on fasse la liste de toutes les photos qui ont été prises. Non, une dizaine, hein. Mais il y a quelques photos, effectivement. Bon, là, je donne des chiffres aléatoires. Je suis en train de baiser l'interrogatoire. Bah, de toute façon, ce sera transmis à votre avocat et pour qu'il puisse préparer le jugement sans problème. Ok, est-ce que vous pourriez au procureur à ce moment-là de m'ajouter moi en plus de mettre CO afin que je puisse pas être toujours malade. Ok, pas de souci. Super. Faut que je regarde qui est le procureur parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué les procureurs et tout ça. À l'immédiat, il n'y a que McCarthy, il me semble. Ouais, et je sais pas si c'est lui qui avait commencé à s'occuper de l'affaire parce que il y a eu un. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Boit de l'alcool en interrogatoire. J'espère. C'est, en fait, c'est pour ça. Donc je. Triple monstre. Vois et on vous tient au courant de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, pas de oui. Bah écoutez, c'est bon pour vous, allez pouvoir vous occuper de monsieur dans le nord. Oui. Bah je la raccompagne déjà... à la sortie 80. Ouais, je vous laisse la raccompagner. Monsieur, je vous avec moi ça, allez, venez, monsieur, dame. Merci, monsieur. Madame, c'est quoi votre nappe? Attendez, s'il vous plaît, venez, on va sortir par là directement. S'il vous plaît. Donc voilà, merci d'avoir coopéré avec nous, vous inquiétez pas, hein, pas de soucis. Donc voilà. C'est le juge. Ah, venez, s'il vous plaît, on va sortir par là directement ici. Donc c'est quoi le groupe? C'est des malas, comment? Certains, je ne saurais pas vous dire tout ça, mais malade de B6. On va... Oui, mais attendez, premier étage. C'est la mala et quoi? Oui, dites-moi. La mala et Gangs? La mala et Gangs, comme vous dites. La mala 6-9? La malo. La malo 6-9? Non, no B6. Je comprends rien ce que vous me racontez, bon, c'est pas 96. Grave. 96, d'accord. Vous savez, moi, j'étais un voyou à l'époque. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'étais Familise, après j'étais Ballas. Après... vous êtes policier. Ouais, voilà, je suis devenu policier, ouais. Oui, bah oui. Vous êtes perdu, quoi. Ouais, ouais, je me cherche encore. Oui, vous cherchez-vous bien. Bon, allez. Sahaf de l'Koum. Au revoir. Oui, comme vous dites. Badé. Masterclass, les gars, masterclass. 69-10-3, je reviens d'un interrogatoire en masterclass. J'ai fait un perfect. C'est bien, c'est ton travail. Oui, c'est bon, je suis content de moi, désolé. Oui, on va pas lui donner des fleurs non plus. En plus, j'ai réussi l'objectif, je sais qui c'est maintenant. Fin de transmission. 60... J'ai réussi! 80! 80, j'ai réussi! 80! J'ai trouvé! C'est la malo! Il a confirmé! Oui, c'est des malos. On va les tuer! Faut juste qu'on regroupe le plus de photos possible. On va regrouper les photos qu'il faut. Bam! Bam, bam, bam! On va les faire! Bam, 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 bam! Plus de photos possibles, vous avez... Il y avait quoi comme photos? Mettez-moi du lait. Messieurs, venez. Stop. Stop. Mettez-vous au fond du couloir. Non, au milieu. Au milieu, stop. Au milieu, prenez votre Glock. Doigt d'eau. Din, din, din. Tadalala. On fait un pas vers l'avant. Un pas vers l'arrière. Un pas, deux pas vers l'avant maintenant. À 3, on se retourne.
À 3, 1, 2. T'as voulu m'esquiver, fils d'épite. Hein? Connard des merdes. J'étais quand même esquivé la première. T'as de la moulchia dans les yeux, collègue. Réveille-toi un peu, gamin. Excuse-moi, 80, excuse-moi, je te mets. Allez, viens. 80, boss là. Viens. 80, envoie-moi les notes quand t'as fini. Oui, mon gradé, j'ai vu mon gradé. Je rajoute juste ton nom dessus. Vas-y, ça marche. Viens vite fait, collègue, je vais faire une expérience sociale avec toi, viens. Viens, cobaye, viens. Viens, cobaye. 80, aidez-moi, s'il vous plaît, 80. Non, viens, cobaye. Attends, cobaye, attends. Triple monstre. Arrête. Tête de neuil, frère, arrête. Arrête, tête de neuil. Ah. Faut mettre un coup de pied dedans. Mets un coup de pied dedans. Hé, hey, ça va marcher. Ah, ça va pas marcher. Attends, il marche pas celui-là? Il marche pas celui-là? Oh! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh! Salam alaikum, Harry. C'est bon, franchement. Pardon, excuse-moi, collègue. Non, mais attends, collègue! J'étais vraiment pas au courant. Allez, pardon, excusez-nous, monsieur. Aïe, ou pour. Oh merde, aïe! Triple monstre, tête de neuil. Il a expliqué vraiment. Là, y'en a un, collègue! Ici, y'en a un là, collègue. Triple monstre. Cours dessus, cours. Cours, saute dessus, je sais pas, fais un truc. Ah! Y'a rien, ça fait rien. Ouais, c'est Halib, il est sur flashback. Ça fait rien. Putain. Ah, ça fait. Yes, tiens ta gueule, tête de neuil. Tiens. Je t'ai envoyé bijou. Je regarde. Ah oui, sur DM, c'est ça. Il y a eu peut-être un moment où il y a eu un petit moment de flottement. Je vais lire, attends. Donc les gars, ce qu'il a noté, trop compliqué. Trop compliqué ce qu'il a fait, hein. Il a rien noté. Ah oui, les questions. Où étiez-vous? J'étais sur Caillou. Où avez-vous arrêté? Niveau de la récolte. Étiez-vous seul? J'ai rejoint des amis et nous sommes venus à plusieurs. Que faites-vous dans la vie? Trapon shop. Avez-vous la mine, la fois la pêche? Avez-vous déjà... Effectivement. Pouvez-vous nous donner les robots de l'équipement? Les Malo 60-96. Appartenez-vous à ce groupe? Je ne sais pas comment on peut le considérer. Où habitez-vous? Dans le Malo 96? Kenyo, masterclass, bah c'est bon. Non, t'es chaud, tout est bon. Bah tout est bon, collègue. Hein. Rien à dire. Ouais. Triple monstre. Ah, vraiment, de toute façon, lui, vu comment il a été arrêté, trafic de drogue, on s'en fout, c'est pour ça, là, on a dû faire le... Oui, bah oui, bien normal. De malfaiteur, tout ça. Ah oui. Par contre, on aurait dû demander par rapport au nom, on a oublié, c'est pas grave. Ah, merde. Non, c'est moi, my bad. Non, t'inquiète, mais moi, j'aurais dû y penser. Mais bon, au moins, déjà, il a confirmé qu'il est malo, que lui aussi, c'est un malo. Ouais, c'était l'objectif principal. Voilà, c'est ça. Déjà, on a ça... On a raté les 4 secondaires, fais chier. C'est en vrai, déjà. Purée, merde. Les 4 secondaires. Putain, on n'a pas mission 100%. Non. Excuse-moi, pardon. 22. C'est très raciste, 22. 22, on a réussi la quête. 22, vous pouvez féliciter ce 69. Et 80, oui, bien sûr. Ouais, c'est les malos 86, ouais, on a eu la confirmation. Félicitations, 69. Bah, 80, 180, je pourrais pas. Hein. C'est 80 qui m'a dit des questions. Et bah voilà, on a le nouveau duo naissant. Oui. Oh, force à 80. Je suis Keblo. Voilà, je suis dans la lampe, les gars. J'ai juré, je suis Keblo. Aïe. Merci, les collègues. Oula. Oh. J'avais une sexy. Pas de problème. Reportez-moi pour voir. Excusez-moi, collègue. Reportez-moi, j'ai un souci, mais attends, je vois plus rien, attendez. Vous me reportez. Vas-y toi, l'inspecteur Bajet. Mais pourquoi t'as un petit serpent dans le dos, l'espèce de fils de pull? C'est bon. Non, reportez-moi comme avant. Attends, qu'est-ce qu'il a, lui? Je vais lui répondre à ce procureur-là. Non, mais refaites-les, parce que j'ai un souci. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, pas comme ça. Brocage des bijoutiers. Oh mon dieu! L'autre, madame, l'autre. Portez-le à la main. Et au fil de temps, j'ai un raquet, moi. S'il vous plaît, mais j'ai un souci. Hop, le bijou. Ou alors, complicité. J'étais sûr. On partirait plus sur une complicité, non? Mais c'est les juges! Comment allez-vous? Vous venez de me mettre une claque là? Pardon, désolé. Le juge, on avait rendez-vous. Penchez-vous, 69! Je me penche, désolé, je me penche. Allez, prends une claque, 69 quand vous êtes. Attendez, je m'occupe de vous juste après. Allez, monsieur le juge, on avait rendez-vous. Ok, je me chauffe là!
Ça fait zizir, hein. Ça fait plaisir. Oh, elle est en dépression, la pauvre. Oui, oui, bah, elle a eu fait un cœur. Bonsoir, madame. Bon, allez. Vous êtes triste? 22, s'il vous plaît. Come on, boy. Ça va, madame? Attendez, je vais parler à 22. D'accord. Vous avez pas demandé d'avocat? Vous échappez. Non, je vais rester ici. Il est au fond là-bas. Non, j'ai un plan. Ah, il fait le recensement. Ah, mais il est là. Merci, Gab. Si vous faites 69. Je vais me joindre à ce plan. Non, je rigolais, collègue, rigolais. C'est vous, 69. C'est vous, oui. Non, je rigolais. 80, je vous jure, je rigolais. Vous avez fait quand, madame? Excusez-moi, juste. Cambrioler quoi? Une petite maison de riche. J'en profite. Bijou, on va avoir du travail là en Doha. Ouais, c'est parti. Mais juste, madame, c'est quoi vos objectifs à court terme? À court terme, moyen terme et long terme? Madame, c'est quoi? Bijou, tu pisses à côté? Bah oui, bah, je regarde la dame, c'est pour ça. Madame, c'est quoi vos objectifs? Supérieur, je peux rien faire pour vous. Vos objectifs à court terme, moyen terme et long terme, madame? Pourquoi vous voulez rejoindre le SASP, madame? Pourquoi vous et pas une autre? Répondez. Elle est pas très bavarde. Bon, viens, on se casse, collègue. La colina, madame. Madame, viens, on se casse, collègue. Je vais prendre. Moi, je veux bien garder 11. Je vais prendre 11. Arrête, je sais que tu arrêtes. Je vais prendre moi, monsieur le juge. Ah, d'accord, attendez. On y va. Allez, c'est parti. On sort la voiture? Je suis tenu pour la peine. Ah oui. Masterclass. Là, on va partir sur le potentiel labo de cocaïne. Non. On va planquer un peu, voir ce qui passe, c'est un peu les horaires là. Oh les gars, j'aime trop quoi, c'est comme ça, j'aime trop ça. Ok, masterclass, on prend une voiture banalisée du coup? Tout à fait, on va prendre une banalisée. Okay. J'appelle 27. Donc là, ça part en Doha là. Ok. Doha, tout à fait. Oh les gars. Vous aimez bien ça ou pas, les gars? Ça change en vrai. Non. On a que ça? Faut que putain, elle est nulle. C'est pas conduire. Masterclass. Faut qu'on passe au pénis? Ouais. Ah ouais, plus d'essence, tout pété. Bon, qui va. On va se faire cramer au Belize là. C'est quoi le numéro de 28? Pourquoi je l'ai pas enregistré? Elle est nulle la fugitive. Bah, on a que ça je crois les gars. Donc là on va essayer de péter un labo de cocaïne. Enfin en cramer un. Est-ce quoi, t'as des soupçons en gros sur un endroit, c'est ça? Ouais, je veux juste voir s'il a parlé à 97-28. Parce que je crois que 97 était rentré dedans. Ah, ok. Mais tu sais où c'est? Ouais. C'est en face du poste BCSO. Et là-bas il y a un labo de cocaïne. Ah oui, ouais. Plus c'est gros, plus c'est pas cramé. C'est vrai les gars. Moi j'ai un labo de weed à faire ou je sais pas quoi là, je le fais en face. C'est très très gros. Ok. Hein? Comment ça? Madame? Oui? Comment vous irez pas ma voiture s'il y a une scène là? Comment ça? Il y a une scène. Mais... Ah! Bah, c'est pour la réparer? Je pense que ça devrait aller si c'est juste pour la réparer. Ok, ça marche, je la rentre dessus du coup. Mais tout seulement, mais... Oh là là, mais non, mais t'es pas sur la scène, mais vous faites quoi là? Mais non, faut se mettre devant la scène, faut se mettre là. Mais arrête. Pourquoi la scène? Mets-toi devant, mets-toi devant. Je me mets devant? Ah, ok. Mais... Excusez-moi, je me mets devant. Oh là là, excusez-moi. Ah! T'es en plein milieu là. Excusez-moi parce que. Il y a un Esperanza sur la route là, c'est pour ça. Est-ce qu'il a le permis? Dis-moi. Bonsoir. Hop là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va? Salut. C'est pour une réparation, je l'en mets. Pas de soucis. Merci, madame. 28 pour 80. Perso, moi, dans le grenier, il y a 8 pieds qui moussent. Hein? Mais vous savez conduire, monsieur? Ouais, parce que bon. Pardon, vous avez dit quoi? Vous savez conduire? Regardez ce que j'ai dans le dos, faites pas le mal, faites pas la maline. Qu'est-ce que vous avez dans le dos? Je l'ai pas entendu. Non! Ah oui.
Yo! Salut. Je me suis fait péter ma vie via cette cascade. 15K. Triple monstre! Triple monstre! Il est fou ce mec! Il est malade! Pardon, excusez-moi les gars, pardon. Je me suis fait péter ma vivier, ça casse. Est-ce qu'il... Oh non, les Tiki Willis! Ah, mais c'est Bijou! Oh les Chili Cheese, allez-y, allez-y, j'ouvre là, j'ouvre là! Bijou, tu vas regarder notre showcase, on fait un showcase! Vous avez fait le camp, quand, quand? Bah là, maintenant, là, maintenant. Mal désert. Là, maintenant. Oh, si, il y a un showcase à minuit! T'as vu la scène, les gens? Vas-y, vas-y, on sera là! Eh, 80, il y a un showcase à minuit! J'ai une pute! Ouais, c'est maintenant là! C'est dans 4 minutes. On regarde, après on y va! Vas-y, vas-y. Bah, ça, on, cache, on met la voiture en dessous, dans le sous-sol. Non, c'est bon, je suis une pute apparemment. Elle est où, Akira? Allez, les chili cheese, s'il vous plaît! Juste un chili cheese, pitié, pitié! Parce que moi, je te rattrape pas, moi, par contre. Ok, ok. Je pense que vous avez reçu la facture. Oui, c'est bon, merci, madame. Un chili cheese! What's the pace? Un chili cheese, s'il vous plaît, s'il vous plaît! C'était juste pour qu'il s'en s'il vous plaît! Allez! En plus, on est beaucoup là! Oh, masterclass! Les gars, les gars, chili cheese, les gars, chili cheese! On est les. Triple monstre! Ouais, on est les putains de Jilly Jeez, bijoux! Masterclass! Masterclass! Non! Ils sont multipliés ici de l'âge de glace! Piré, mais c'est. Incroyable! Trop bien ce gang! Mais comment vous êtes fait pour tous synchroniser en mode. Parce que c'est des années d'expérience! C'est le talent, c'est le talent! Ah ouais, je peux avoir ce talent avec vous. Eh les gars, le gang le plus cute de Los Santos. Je peux avoir ce talent avec. Merci les Chili Billies. Il va falloir que tu partages. De rien, bijou. Ils vont faire un showcase. Ça veut dire que tu fais pas tremper quand t'es armé. Soit monsieur, votre barbe elle est pas homologuée, s'il vous plaît. Oui, bah et votre moustache non plus. Merci. Ouais. Allez, crâne bon, big crâne. Salut les girls. Salut les girls. Salut. Salut. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon cœur. Salut. Ah, c'est pas ça, je crois, la disquette. Attends, excusez-moi, je stresse. Excusez-moi. Ouais, non, pourquoi vous stressez? Je trouve pas. Madame, votre père, c'est pas. Un éboueur? Pas un proxénète? Non, il parle à toi, hein, oui. Ah. Ok, parce que. Bonsoir. Votre père, c'est pas madame le créateur de Nintendo? Non. Parce que si c'était le cas, on dirait qu'il a fait une DS. Mais attends, c'est gentil. Oui. Ah oui, madame. Oui. Votre père, c'est pas Hassan Diop? Putain, Vivi. Mais si. C'est Hassan Diop? Ouais. C'est vrai? Mais ouais, comment vous avez dîné? Arsène Lupin, tout ça? Ouais, ouais. Bijoux. Oui, collègue. Je vais au poste vite fait, je vais récupérer la position. Ouais, tranquille, chaque ma femme là. Vas-y. Viens dans le garage. Ok, d'accord. Et Et donc, vous avez un numéro? Et j'arrive sur la bijouterie. Ça va. Ah oui, mais c'était quoi la suite de la. La suite de quoi? Oui, Arsène Lupin. C'est un peu mal. Oui. Oui, même à la fin, il a volé le collier à monsieur Pellegrini. Ouais, c'est ça. Pas trop partagé. Donc, ouais. Ok. Bah, je vais prendre votre numéro tous les trois. Comme ça, oui. Bah, j'ai une chance sur trois. Voilà. Allez, s'il vous plaît, on va commencer, madame, par. En plus, les deux sont célibataires, voilà. Ça tombe bien. Ah, bah, vous aussi? Non. Oui. Ah, non. C'est pas mon truc, les dates, tout ça. Qui célibataire, oui. Est-ce que vous recherchez des mecs comme moi? Un peu musclés, un peu beau gosse comme ça, oui. Un qui sent bon aussi, regardez. Je pense que oui, elle le recherche. Oui, par contre, votre haleine, s'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas sentir. Non, mais ça sent bon. Oui. C'est quoi, c'est une haleine? Faites-lui confiance. Mais allez lui faire sentir votre haleine. Oh, Bijou, ta gueule, Bijou. Pardon, désolé, pardon. Au secours. Excusez-moi. Cinq. Les gars, il est minuit, y'a personne là, c'est comment? La patronne, elle arrive, la patronne. Ça arrive, c'est parce que c'est pas encore commencé, regarde. Okay. Regarde, là, la patronne. Si la patronne est là, c'est que ça va bien se passer, d'accord? Ouais, elle arrive comme Indiana Jones, t'es mal. Oh là là. Eh oui. Et moi, je fais le concert de là-haut, moi. Parce que je suis trop gros. Ah ouais, elle a rien compris. Voilà, ça t'apprendra, toi. Eh, fais un saut dans la foule, je te rattrape.
Ouais. Ouais, de là-haut, du tout là-haut. Et tiens, j'aimerais. Je vais juste m'éclater par terre. Si, je vais rattraper, t'inquiète. Ouais, je te crois. Ramène-toi, je vais te mettre comme ça là. Ah, mais à l'aide! Bah oui, c'est un mec qui fait super bien son boulot. Elles sont déjà prises. Elles sont déjà prises. Non mais je sais, j'étais en train de faire une big pass day parce qu'ils sont en train de dire oui, j'en veux pas. Je dis mais vous me prenez. La sortie, elle est par là. Elle est par là, la sortie. Non, tu me niqueras pas. Je vais te salir. Je vais te salir. Voilà, je vais te salir. Même pas cap. Excusez-moi. Bonsoir. Il a dit que vous étiez grave moche et que vous sentez du cul. C'est ce qu'il vient de me dire. J'ai pas dit ça. Il a dit que votre cul a la même odeur que son haleine dégueulasse là. Super. Je retire ce que j'ai dit, c'est vraiment pas un bon agent. Bah tu vois. Mais c'est pas vrai. Il a dit son haleine, on dirait un mec qui a fait le ramadan depuis 4 ans, votre cul a la même odeur. Hein. Super. Ouais. Pour moi. C'est pas le moment, monsieur, de parler de ramadan, c'est pas le moment. C'est pas la bonne période. Le mec qui regarde trop BFM TV. Merci Tim Tim pour le sub avec 6 mois d'avance, mais waouh. Les gars, qui est chaud? Allez, qui est chaud pour offrir 50 subs? On arrondit les subs d'aujourd'hui à 100. Allez, c'est juste, c'est rien, c'est rapide. Voilà, qui est chaud, les gars? Je vous suis. Je vous suis, les gars, je vous suis. Casse-toi, enfoiré. Parle-moi pas. Merci, Maze. Qui dit mieux? Maze qui offre un sub? Qui dit mieux? C'est les enchères. Bonsoir mesdames, bonsoir. Bonsoir Bijou. Bonsoir. Enchanté. Bien. Ça va et vous? Enchanté, je vous vois tout le temps, monsieur Bijou. C'est qui? C'est la mère qui est devenue mère adjointe. Mais oui, trop fraîche, de fou, c'est de là. Non mais je te rassure. Oh non! Qui dit mieux? Takatou qui dit? Qui offre 5 subs? Qui dit mieux? Oh là 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 là, qui dit mieux? Mais waouh, mais Takatuki qui est très fort. Mais attendez, mais les gars, ça marche en fait là. C'est une grille. Je suis choqué. Merci Célio pour ce beau faire. Waouh, mais waouh. Waouh. Aïe. Monsieur, faudra revenir plus tard, il y a un concert. J'ai demandé à la mécano, mais c'était bon. Non, mais c'est juste le temps d'une réparation, ça va aller. D'accord, allez-y, je vous en prie. Je m'en occupe, quoi. Je m'en occupe. Venez. Mettez-vous ici. Plus serré ici. Venez. Voilà, nickel. Mettez-vous les roues droites. Ouais, super. C'est bon, stop. C'est bon. Je m'en occupe. Il a la réparation, hein. Carrément. Vire-le du concert. Il faut quelque chose, monsieur? Non, du tout. Non, mais je m'en occupe, collègue. Madame 60, 10, 50. Vas-y. C'est trop tard. Mais. Moi, madame, je pense qu'il a allé cette année, il peut le faire. Non, mais je m'en occupe. Vas-y. Vas-y, je laisse carrément le faire. Je m'en occupe, collègue. Mais vous occupez de qui là? Mais. Ouais, vous occupez de quoi? De la voiture ou d'elle là? Ouais, je comprends plus, je suis un peu perdu. Non, je m'en occupe appelez de. Appelez la police! Madame, à l'aide! Madame, oui. Je suis policier, madame. Ah, mon dieu! En plus, dis-moi que t'as des tenues ou faut qu'on aille au magasin, sauf qu'on aille au magasin. Non, c'est bon, on va avec ça. Non, pas avec ça, je t'explique. Là, en gros, on va récupérer 10 aussi. Attends, j'ai un date à minuit 45, collègue. Bon bah au pire, tu viendras demain, de toute façon, moi je vais aller avec 10. Ok, putain, 10 c'est une fille? Non, c'est 10. Ah bah ça va alors, ça va. En gros, là le but c'est de juste de scout, de prendre des informations. Faut vraiment pas qu'on se fasse... Ouais, c'est con quoi lui? Malade. Faut vraiment pas qu'on se fasse repérer. Ok. Et pas griller la pose. Donc on va s'habiller en mec vraiment, moi j'ai la bonne dégaine du coup du Nord. Attends. Ah ouais là? Ouais. Merde, mes collègues, mais... Ah je crois que j'ai pas le temps. Non mais t'inquiète, je vais te poser au poste au pire, tu vois. Et puis tu peux partir au concert si tu veux. C'est que je voulais pas te laisser tout seul en service ici. Ouais, vas-y, je vais faire un 10-10, je vais me préparer, j'ai un date. Ouais, t'inquiète. Ce soir, je vais me péter le paf. Où ce soir? Ah, ce soir, je vais New Kala Sala Fila Tala Kala Solom Bala Felation. C'est qui le Roseli? C'est Fallon. Fallon, c'est qui elle? La truc du gouverneur, la fille. Je la connais pas. C'est pas celle que... Ah, c'est pas son adjointe? Si, je crois, c'est l'adjointe. Non, mais je crois que le capitaine... Enfin... Ok, ça marche. Merci beaucoup. Masterclass, collègue. C'est la secrétaire. Bah, bon courage, alors. Merci. Allez, c'est parti.
Allez, vas-y, on y va, allez, bonne soirée. Il va prendre un 10-10, il doit aller baiser. Ouais, je dois aller, j'ai un date. J'ai un date. Et bah, bonne baise. Comment merci. Ça, il date, lui. Attends, mais viens, on fait saisir son bracelet pendant le week-end. Il a le droit. Ah, j'ai pas le droit d'avoir un date. T'as le droit d'avoir une vie sexuelle, non? T'es jaloux, 03, c'est ça? Ouais. Quoi, personne n'a fait trembler tes fesses depuis longtemps, c'est ça? Waouh! N'importe quoi, ça va pas, quoi? Bon, allez, au revoir! 80. Et 10-10, bonne soirée à tous, les collègues! Stay snoof! Oui, bon, bonne soirée! Je consomme tout le temps, c'est grave. Les gars, masterclass. Soirée date. De toute façon, les gars, je vais vous dire honnêtement, ça, à 1h du matin, j'ai envie d'aller sur Kick. Faut que je me donne des horaires parce qu'après, à chaque fois, je live pas sur Kick. Putain, mais ce soir c'était gaze. J'ai le seum. Je suis. Même pas ta patrouille avec moi. C'est qui 55 Attends, 55. Elle est de retour. Ah, 55. Attends, 55, 55. Attends, 55, elle est revenue. Oh. Allô, 55. Bah ouais, mais bah tu. Non, tu es revenu. Bah oui. C'est bon, tiens, les grosses fesses. Oui, elles sont énormes. Ah ouais, non, mais c'était bien la Turquie. Pardon. Ah ouais, pour de vrai? Non, en vrai, j'ai pas pu profiter de ouf. J'étais. Non, c'était compliqué pour moi de profiter, comprends-tu? Ouais, c'était full fesse quoi. Full cul, que le ça, cul. Je pouvais pas m'asseoir, tout ça, voilà. Ouais, ok, j'ai capté, ouais. Mais c'est bon là, tout est bon, t'es fini? Bah, il faut attendre encore un mois pour que ça aille mieux, mais ça va. Fais gaffe, hein. Je suis là, c'est que c'est okay. Si t'as une voiture avec le siège chauffant, fais gaffe pour pas que ça fonde, hein. Mais fais te faire foutre! C'est de la graisse qu'on m'a injecté dans mon cul. Ah ouais? Non, c'est une dinguerie. Bah, bon, fais gaffe pour pas que ça parte en barbecue après. J'ai 2 litres dans le cul. Ils ont mis du wagyu dans les fesses. Et t'es en bas. Du bœuf de Kobe dans le cul. Oh, stop! Respecte-moi, et la prochaine fois, patrouille. Wesh, ça m'a zappé. Ah oui, mais moi, je savais pas que t'étais là, moi. Mais si. Désolé, collègue, désolé. Désolé. Bon bah, au revoir, hein. Au revoir. Ah, vous êtes là, bonsoir les collègues. Ouais, on se change. Tu te changes pour ton date? Ouais, je me change pour mon date, là. Petite tenue très jolie, très classe. Je crois tenue congolaise riche. J'étais en train de dire à Disque que tu très bon sur l'interrogatoire. Merci beaucoup, c'est rare, hein. Non, mais en fait, quand vous êtes sérieux, vous êtes bon. C'est à moi? Oui, bah oui. Mais ça plaît pas aux viewers. Non, vas-y, c'est... Non, faut se faire baiser. Pardon, j'annule. J'annule. Non, mais vraiment, j'annule ce que je viens de dire. Pardon. 10, 22, oh non, écoute. Mais là, je vais prendre cher. Oh non, je crois que... Par qui? Là, tu prends 3 jours au Dallas. Bah, les gars, je crois qu'on se retrouve dans 3 jours, hein. Ouais, trois oh, non, c'est sûr. Non, là, j'ai abusé, là. Non, ça dépend des TikTok. Et toi aussi, vraiment, tu fais un aller-retour. Hein. Pardon, excusez-moi, les collègues, désolé. Putain, ouais, mais on peut pas laisser. Bref, 1, 2, 3. Si, part, on part. 1, 2, 3, c'est bon, on part tout seul. Oh, ça, c'est bien, vas-y. ça fait congolais, ça. Quoi? Ça fait congolais bien son. Ça, et avec des manches, je pars en couille. Seigneur. Ah là, comme je suis bien nord. Ah ouais, non, là, tu vas vraiment baiser, hein. C'est mieux au max, hein. Comment ça? Tes chaussures avec squelette rose, là, on va changer ça aussi. Ske. Il me faut une petite montre. Oh, le sapologue. Mais c'est celui sapologue. Il te manque juste la canne. Et la montre. Par contre, faut se faire enculer, les mecs qui posent, jettent leurs affaires ici, là. Ne dites pas, c'est vous, bijou. Non, c'est pas moi. Attendez, excusez-moi juste, voilà. Ah, les bâtards. Oh, mais attends, il y a une montre à 5$, ils sont cons, quoi. Il y a la même montre, elle a 8000 et l'autre, elle a 5. C'est une Casio, c'est pour ça. Bah, je prends la fake, moi. Je dirais, je prends la fake. Et je parle pas de fake monster. L'ami a. Pardon. Ouais. Ouais, non, là, c'est une semaine. Hein. Ouais, là, c'est une semaine, là. Ouais, je vais prendre cher. Oh, le Berry, je pense, il passe mieux. Triple monstre. Je crois que les berets ils passent mieux. Berets ça fait bien. C'est vraiment sapologue. Ouais. Ah non, le chapeau il fait sapologue. Bah les deux, chapeau et béret c'est ce qui fait le plus sapologue. Et ils sont mes lunettes. Où est-ce qu'elles sont les gars mes lunettes? Avec grand plaisir 64.
Bonsoir, bonsoir les collègues. Allez, gâteau, t'as pas d'un. Raciste. Ah là 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 là. Attends, ça me fait chier. Ça me fait chier, les gars. Voilà que ça me fait chier. Ça me fait chier que là, je me dis qu'à l'heure actuelle, je suis en train de déhack, je m'amuse en RP, etc. Alors qu'il y a des gens qui se font tuer. Je suis un psychopathe, hein, mais. La montre, je l'ai pas mise. Je me sens inutile. Elle est où la montre? Elle est où la montre? Triple monstre. Elle est où la montre? La montre. Elle est où la montre, les gars? Elle a bugué. Vous avez dit quoi? C'est ta voiture, ça? Ah merde, ma montre, elle a bugué. C'est ta voiture? Bah oui. Non, viens. Oui, c'est ma voiture. Si on reste trop longtemps à côté de lui, on va prendre nos vies. Bisous. Bonsoir, très cher, bonsoir. Oui. Bonsoir. Permettez-moi de vous baiser. Oh, oui, bien sûr. Bien sûr, allez-y. Je vous laisse vous mettre tout nu. Oui, ah, non, je croyais que vous... Ah, pardon, excusez-moi, pardon, c'est peut-être un peu trop vite, oui. Excusez-moi, oui, bien sûr. Allez-y, laissez-moi la main. Fort, encore. Encore. Laissez un petit peu pour moi. Pardon? Non, allez-y. Allez-y, vous aussi, baisez-moi. Ah oui. Allez-y, allez-y, hop là, je vous mets le doigt dans le nez, hop là, hop, ah, hop là, hop, dans l'oreille, dans les yeux. Excusez-moi, faut me dire. Excusez-moi, oui. Comment allez-vous, très cher? Oui. Ça va très bien, et vous? Bah, ça va super, madame. Comme un lundi? Oui. Ah. Dis donc, vos lunettes sont tombées, je crois. Madame, je me suis baisé. Oui, j'ai remarqué. Oh, madame, j'ai baisé une roue. Vous avez baisé quoi? Une roue. Une roue? Oui. Vous aimez les roues? Les non. Bleus? C'est cela, excusez-moi, je répare, madame. Oui. Je répare, Excusez-moi. Oui, allez-y, réparez. Oh mon Dieu, les gars. Oh. Je crois que la chaise, demain, elle est pétée, les gars. C'est grave. Demain, les gars, j'investis dans une nouvelle chaise, je crois. Quelle musique. Excusez-moi, oui, bien sûr. Allez-y, montez. Votre garde du corps n'est pas là? Non. Très bien. On va pouvoir faire des choses plus personnelles, oui. Bien sûr. Allez-y, montez, ça part en couille. Oui, ça part en couille, oui. Ça va, mon ref? Comment? Pardon, excusez-moi. Comment allez-vous, ma Dulcinée? Ah, je vais très bien. D'accord, très bien. Excusez-moi, je me permets de vous montrer ma demeure, oui. Alors voilà, c'est une demeure dans laquelle j'ai investi. Mais, oui. Donc voilà, j'ai investi plus de 400 000 dirhams ici. Ce qui représente plus de 40 millions de dollars. Hein. C'est de l'inverse. Ça, c'est à vous, ça. C'est ça, tout ça, c'est à vous. Foutez de ma gueule. Pardon? Vous foutez de ma gueule? Je me permettrai pas. D'accord, très bien. C'est avec votre héritage de Kikli? Dites bismillah, s'il vous plaît, madame. Oui. Ah non. Ah. Je vous ai prévenu, madame. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le dire. Merde. Je plaisante bien évidemment, madame, oui. Oui. Oui, c'est vrai. Surtout dans les temps qui nous courent. Hein. Oui, les mots sûr, de ce genre sont dangereux. J'ai même explosif. Oh. Non, c'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien, bisous. Vraiment. Arrêtez. Oui, on va aller réparer la voiture, madame. Hein. Oui, elle est réparée. Et ensuite, j'ai préparé quelque chose pour vous. Non, vous m'avez préparé une soirée. Je vous le jure. Malheureusement, les restaurants sont encore fermés à cause de ces fils de pute qui ne travaillent pas. Et vous allez m'emmener où? À la pizzeria cette fois-ci? Non, bien évidemment. On va passer au pawn shop, récupérer un parachute et partir en braquage. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci, Kevin, pour le savoir-faire. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Braquage 2. D'une flic à banque. Ah oui, alors, ce n'est pas possible, vous le savez. Oui, oui. Oui, oui. Oui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire? Bisous. La flic à banque, vous parlez de mon cœur, en braquage de mon cœur. Mais oui! Oui, oui, effectivement, voilà. Ah là là! Oui. Pas mal. Enfin, de votre cul, quoi. Ça, je vais braquer votre qui? Votre gros qui énorme, là. Ouais. Bon. C'est bien, assez parlé, bisous. Madame, vous avez dit que vous voulez qu'on aille sauter dans une flaque?
Ça va être une flaque. Vrai. Dans une flaque. Une flaque de mesper de chameau. De chameau. Non, je pensais plus le vôtre, mais bon, bref. Je suis le chameau. On aurait pu aller, je sais pas. Bon, vous avez prévu quelque chose. Allez, je vous suis parce que. Vous me suis quoi? Je vous suis. Oh non, y a personne. Non. Dis pas qu'on va. Vous allez me faire le coup de la panne ici. Hein. Vous avez une arme sur vous? Non. Ah, sur là. Ah si. Bonsoir, excusez-moi, c'est pour une réparation, s'il vous plaît. Oui, non, mais on travaille pas depuis. Putain, fais chier. Oh, il pue de la gueule, lui. Mais c'est faux, c'est le moteur. On va à Los Santos Custom alors, madame. Triple oui, monstre. Mais excusez-moi, vous travaillez ici? Pas du tout, monsieur. Y'a personne, hein. C'est vrai? Ouais, y'a personne. Y'avait pas une chasse au trésor ou je sais pas quoi, hein. Oui. Ouais, mais c'est un flop, y'a zéro personne. Oui, y'avait personne. Oui, c'était. Excusez-moi, vous travaillez au Bénis, vous, la moto? Non, je travaille pas, seigneur. Ah, d'accord. Je m'en doutais. Vu la. Attendez, je vais appeler quelqu'un. Très bien, allez-y. Je ne suis pas secrétaire pour rien, j'ai tous les numéros de la ville. Oui, Amora, tu es toujours mécanicien? Oui, non, mais c'est une blague en fait. Vous êtes où? Vous êtes putain, où, c'est long! Mais putain, j'ai déposé mon arme, fais chier, j'aurais pas dû! Oh là 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 là, je regardais pas mon écran. Mon pare-brise. Quoi? Koubé? Oui, ok, très bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout ce que vous dites. Putain, mais ça me fait chier là! Bah oui, vous avez tout gâché. Voilà. Putain, c'est long! Comment ça, c'est long? Ma bite! Oui, ça, j'avais remarqué. Combien d'ailleurs, en fait? Elle est malade! De quoi, le diamètre ou la longueur? La longueur. Oui, Amadou. Mamadou? Non, Amadou. J'ai besoin de. Ils ont oublié le M à la création du. La... Je suis en ville. Oui. C'est loin? Ah, dans mon inventaire, j'ai quoi? J'ai un. Oui, ah non, j'ai on pas. Arrive. C'est qui? Oui. Amadou. Il répare, lui? Oui, un homme qui veut mon cul, je crois aussi. Mais bon, bref, oui. Il répare. Ah d'accord. Vous allez quand même pas lui laisser, bien sûr. Non, bah non, bien sûr. Il n'a pas ce qu'à vous, bisous. Ah non, bah... Excusez-moi! Excusez-moi, peuple du tiers-monde, s'il vous plaît. C'est pour une réparation, monsieur. Ah! T'as dit quoi? Viens toi-même du tiers-monde, bijou. Donne-moi ta canne, fais tes gifles avec. Vas-y, hop là. Tac. Et rends-moi ma cabine. Tac. Quoi? Tac. Nyama de bois. Kounia Mamao. Dicter Aminak. Oui, c'est quoi ces bruits de con là? Tenez. C'est Boulinet, je crois. Oh, t'as pas une mieux? Mais non, ça c'est bien, c'est bien. Ça. Baisez ma femme, s'il vous plaît. Baisez ma femme. Quoi? C'est votre femme? Oui, allez-y, allez-y, femme. Non. Non, mais baisez la main, quoi. Attendez. Oui, mais baisez-moi la main. Oui. Queen? Vous êtes sa copine? Non. Quoi? Queen? Oui, 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 bisous, bien sûr que oui. Oui. Bah oui. Non, mais... Ah, tu m'assumes pas en public? Non, mais... Ah si, totalement. Non mais Missy, c'est vous si vous force. Non. Non, mais... pas du tout. Miss Queen, non mais non. Mais... Miss Queen. Queen. Chef, on a besoin d'une réparation, on est pressé, chef. Oui, oui, voilà. Poussez-vous. Attends, regardez, réparez la voiture, s'il vous plaît. Je crois, madame. Attendez, je pourrais parler dans l'oreille. Je crois, le mécano, il veut vous baiser. Oui. Ah, non, mais. Comme quoi? Beaucoup. Quoi? Mais putain, mais quelle répute de merde tu me donnes, toi! Mais écoute, Darren. Ça va, tranquille. Vous allez bien, Bijou? Oui, oui, non, je regardais ces boucles d'oreilles parce que c'est quelle marque, madame? Vous avez bugué, Bijou. C'est Dédé. C'est Dédé? Oui? Dédé, c'est quoi? C'est votre oncle? C'est quoi? C'est Didi. Non. Didi Deschamps, à la rigueur. Ouais, voilà, on va dire ça. Non, mais c'est parce qu'elle est en période d'essai, après elle est en CDI. Elle est en CDD, monsieur, période C, il est con, quoi, lui. Justement, c'est un DC, c'est un CDD. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, j'ai la ref. C'est des paires de dés, voilà. Qu'est-ce que tu racontes, toi, encore, Titi, putain? Mais là, il y a des paires de dés, et là, il y a des paires de bzz, regardez, elles sont énormes, allez-y, touchez, allez-y, je vous en prie.
Ouais, les mamelons, les nibards, quoi, les nichons, les nibards, les nichons, les mamelons, quoi, les bzazes, bijoux, ta gueule, les boules, quoi, les boulasses. Oui, ça, c'est une inter, ça. Mais putain, ta gueule. Bon, écoutez, madame, vous auriez pas une copine? Si vous voulez, il est libre. Oh, elle a du CBD dans les oreilles. Voilà, il est chef, on est en direct. Non, merci, merci pour le nettoyage, merci. Oui, j'attends toujours. En direct. En direct, c'est parti, 3, 2, 1. Bonsoir, bijoux. En direct avec son costume d'harcèlement. Bonsoir, actuellement, je vous présente ma femme. Allez-y, baisez ma femme. Non, oui, non. Embrassez-vous, allez-y. Allez, Fallon, en direct. Il faut vraiment y aller là. Allez, non, Fallon, non, en direct. Fallon en direct! Attention! Fallon en direct! En direct! Pour l'embrassade? Ah non, elle a refusé la demande! Non, mais Bijou, t'as toujours une facture à payer! Oh merde, désolé, collègue, désolé! Je la paye demain! Vas-y, Fallon, viens! Non, y'a pas de demain, tu ressors de là! Vous êtes en couple avec Bijou? Tu ressors de là, Bijou! Attends, je la paye! Ah ok, je pensais que vous étiez en couple avec lui! Mais j'en ai pas là! Très bien! Tu attends! Allez-y, faites. Merci Youl pour le deuxième mois. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, montez. Oui, j'arrive. Ah. Au revoir. Mais attends, c'est ton père qui a envoyé les messages? Comment? C'est ton père qui a envoyé les messages? Mon père. Qui est mon père? Je n'ai pas de père. Enfin non, le gouverneur. Non mais le gouverneur, non. J'ai entendu que t'as dit que t'étais prise en otage. Ah non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Non. Si, tu l'as dit. Ah. T'as dit j'ai pas le choix, je suis prise en otage, comment ça mon ref? Mais, n'importe quoi, mais déjà je ne parle pas comme ça, déjà. Si, t'as dit ça madame. Non, j'aurais dit j'ai été enlevée. Attends, j'ai plus de mazout. Oui, t'as dit t'as été enlevée. Non, hein? Comment ça mon ref? Bijou. Hein? Comment ça mon ref? Mais qu'est-ce que veut dire ref déjà? Ah, t'es comme ça. Oui, je suis comme ça, oui. Ce soir, ça va pas bouillave, madame. Bien sûr que si. Mais elle est malade. Ah, vous faites ça, vous? Moi, y'a pas de ça, les gars. Y'a pas de RP Hamhamage. Hein. Madame, tu fais ça? Oui, bien sûr, je fais ça. Oh mon dieu. Putain, les gars, comment je fuis? Les gars, comment je fuis ce date bizarre là? Comment je fuis? On prend un parachute, je fais Zarma, je la galoche et je la fais tomber du parachute et je me barre en parachute. Fuis pas? Non mais parce que vous êtes des détraqués sexuels, pourquoi je vous pose la question aussi? Moi je suis en ouf. Ah ouais? Non, vous êtes des détraqués du zizi vous. Je suis en ouf, moi je vous pose la question à vous chat. N'importe quoi. Non, moi y'a pas d'RP couple. Pardon, excusez-moi madame. Où allons-nous? On y va en tout cas. Vous inquiétez pas. J'ai une surprise. D'accord. Vous avez une surprise? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Bah écoutez, je me suis fait insulter. Par qui? Par le gouverneur. Cher. Pute, salope, prostituée. Il a dit ça? Oui, et bouche à sperme, mon dieu. Mais c'est pas le cas, en tout cas, si. Bah je... Non, enfin, je ne crois pas. Ah, bah après, c'est vous qui voyez, hein. Enfin, C'est vous qui sachez, hein, madame. Oui, je le sais, oui. Oui, je sais si je le suis ou pas. Mais en tout cas, voilà. Mais vous l'êtes? Pourquoi ces questions, ça vous arrangerait? Bah non. Ah. Mais pour savoir quel est votre point de vue d'ici. Non, je ne le suis pas. Je ah, suis ah pas, ça me rassure. C'est une salope, bien sûr. Oh mon dieu, et vous avez rien fait? Non, je n'ai rien fait. Ah d'accord, pourquoi donc? Parce qu'il a perdu ses deux fils et qu'en gros, il a décidé de s'acharner sans moi. Ah oui, je vois. Ah merde, fessier. Ah ouais. C'est combien les tarifs? Le tarif de... Enfin, le salaire, en gros, de gouverneur. Ah, de gouverneur, oui. De gouverneur, je ne sais pas, mais de moi, c'est moins de 10 000 en tout cas. Misto. Comment? Non, j'ai dit qu'on arrivait à Casto. Allez. J'arrive. Attendez, restez là.
Parachute, je crois que c'est de l'autre côté. Ah non, c'est là. Non, c'est pas ça. C'est là, je crois. Cagoule noire. Une cagoule qui coûte 250. Bouteille d'oxygène, ok. Pot de fleurs. C'est là. Parachute. 1000 dollars. On va lui demander d'acheter. Hein. J'ai pas assez d'argent pour ça. Oh, c'est en espèces. Putain de merde, mes couilles de ma bite. Oh, j'ai oublié mon code. J'ai oublié mon code, les gars. Oh là là. Oh là là. 39,45, c'est remonté dedans. Oh là là. Ah, 14,18. Ok. Putain, je suis riche. Elle nique sa mère, on retire ma gueule, ça. Hein? Hein? On peut retirer... Non, j'ai fait une bêtise. J'ai retiré 25 000. On peut retirer 25 000, mais on peut pas les rentrer. Ah, oh, j'ai cru que j'avais retiré 2500. Ah, oh, la bite. La chatte, ça ta mère, la chatte. Ah, oh, là, 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 là. Fait en plusieurs fois. Oui, oui, en plusieurs mois, tu veux dire. Ben, nique sa mère, attention, personne va me voler, au pire. Hop. Et hop. En espèce. Ah, report. Ouais, je pense que je vais essayer de demander un staff. Madame, tenez. Ça fait partie de la soirée. Oui, dites-moi, c'est quoi? Tenez. Je vous laisse l'infiler. Ah. J'espère que vous savez les utiliser, hein. Allez-y, montez. J'en ai jamais fait, bijou. Il y a une première fois à tout. C'est où ce que je veux dire. C'est vrai. Vous avez mis tant de temps pour acheter ça, là. Un quoi? Vous avez mis tant de temps pour acheter que ça. En fait, j'ai retiré 25 000 dollars de mon compte comme je suis trop riche, au lieu de 2500. Ah oui. Et sauf que je peux pas les remettre dans mon compte maintenant. Je suis baisé. Ah bah, oui, comme vous. Pardon. Oui, bon, okay. Oui, comme moi, en fait, oui. Effectivement. Excusez-moi. Vous êtes une fille facile. Non, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Vous êtes une fille des riches. Fils des riches. Madame? Oui, comment ça, fils de riche? Vous êtes une fille des riches? Oui, j'ai besoin de dynastie, oui, effectivement. Bon, crossez-vous, hein. Vous inquiétez oui, pas, alors, j'ai un bon châssis. Oui, alors vous êtes sûr là? Oui, bah oui. Non, non, allez doucement. S'il triple vous plaît. Monstre. Non. Vous inquiétez pas, j'ai un très bon châssis. Oh, un loup. Non, ce n'est pas un loup. Oh merde, ça passe pas ici. Non, ça passe pas ici, non. Ah merde, la bite. Non, mais après vous pouvez toujours aller. On prend le truc pour. Ah, le télépéage, j'ai oui, oublié. Bah oui. Oh oui, là voilà. La purée. Mettez-moi c'était un point, bien. Madame. Oui, je vais vous le faire. Que c'est du mal, non? Oh là là, fessier. Merci beaucoup. Ça va, Fallon, sinon la vie? T'as mangé quoi ce écoutez, soir? J'ai mangé quoi ce soir? J'ai mangé un repas qui est préparé par d'autres personnes. Qui s'appelle Grec, je crois. Ah ouais, hein? Oui. Ah ouais, c'est la galère, hein? Ils ont voulu me faire goûter ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est très ah bon. Ouais, ouais, ouais. Ça joue, ça joue les riches en RP, mais IRL, c'est en galère, hein? Hein? Ça commande des queues grises, ça mange du caviar dans le jeu, hein?
Hein? Vous connaissez? De quoi? Non, je connais pas madame. Moi, c'est Manske du caviar. Oui, bah si vous, je vous fais chier, vous pouvez me le dire hein, aussi. Hein. Vous me faites chier. Très bien, bah écoutez. Sautez de la voiture, sautez. Non. Je ne suis pas si conne. Merci. Bien sûr, oui. Non, je rigole. Vous me... C'est très drôle. Non, pardon, j'ai bégayé. J'ai dit que vous me faites pas chier. Oui. Sinon, je serais pas avec vous. Oui, bah justement, si. Pourquoi? Vous allez parce que là, vous allez me jeter en l'air là-haut, là. Pour oui, on va se foutre en l'air. Ah bah oui. Totalement, allons-y. Jusqu'au bout, hein. Ah oui, moi, je vais jusqu'au fond. Oui. Ah oui, ça, c'est bien, par contre. Bon. Mais elle est malade, mais je rentre dans son jeu, mais pour voir si elle a pas de limite en fait. Mais elle est malade. Ah oui. Vous aimez bien vous. Oui, comment vous aimez bien vous. Oui, oui, j'aime beaucoup, oui. Ah oui. Oui. Ah, vous parlez de quoi du coup? Bah vous, on parlait du sujet de là, et de... Oui, mais de quoi? D'un schnouf. Ah oui. Et de non. Quoi d'autre? Ah non, y a pas de soucis. Oui, mais vous faites quoi, Bijou? Bah, mais vous êtes tarés. Bah arrêtez, ça va, là, c'est rien. Non, j'ai peur, moi. Allez-y, venez. Oui. Courons, madame. Non, mais vous devez porter... Pardon? Vous devez porter... Ferme ta gueule, viens, là. Ferme ta gueule. Aïe! Ferme ta gueule, viens. Vous prenez pour... Je vous prends pour un humain, vous. Un truc, là. Mais vous avez... Là, parle plus fort, déjà, parle plus fort. Ah, vous me faites chier, vraiment. Ah, vous... ça va, madame, c'est la rigolade, madame. Oui, oui, je sais, merci. Moi aussi, je rigole. Ah, regardez. Petite main là. C'est drôle. Hop. Aïe. Excusez-moi. C'était pas mal. Plus fort pour voir. Petite main là. Plus fort. Petite nuque. Une nuque. Hop là. Ah oui. Oh. Excusez-moi. Oui, pardon. Pas de soucis. Venez. Oui. Oh non, tu vois pas que c'est fermé quand même. Non, vous inquiétez pas, c'est pas par là qu'on voulait aller de toute façon. Venez. Putain, les gars, j'ai flop sa mère. Oh merde, on est dans la merde. On sautera là-bas au pire. Attendez, je peux me changer. Bah, mettez-vous toute nue, de toute façon, il fait noir. Non, et je vais pas sauter en talon. Vous comprenez bien. Ah oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Alors attendez, hop, voilà. J'enlève tout ça. Ouais, enlevez tout, hein. Oui, voilà, hop. Oula, non, mettez-vous pas déjà quatre pattes. Non, bah non. Oh là 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 là, oh peut-être mon après, dieu. Peut-être après, non. Ah, ça me gêne. Comment ça, peut-être après? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi je parle. Bien sûr. C'est l'altitude, ça me fait délirer. Ouais, non, ça arrive, ouais. Venez. Si c'est moi. Suivez-moi, pardon. On parie, elle va rater. Ok, désolé. Hop, les gars. C'est marrant ce qu'on va faire. Ah. Vous croyez que je vais sauter de là? Mais non, attendez. Vous faites quoi? Ta gueule. D'accord. Comme un film de Huck. Hop. Attendez, hop. En direct. Hop là, hop, attendez, hop. Comment on fait pour la lumière déjà là? Comment on fait déjà? Ah oui, vous voulez que je les mette? Comment on fait pour mettre la lumière là? Je sais pas. Fais chier, je voulais mettre des lumières en mode pour les clips TikTok en fait. Hein? Pour les clips TikTok en fait, pour que ça fasse stylé pour les clips. Oui, pour que ça nous éclaire en fait. Oui, voilà, ça oui. Comme dans les clips de musique, pardon. Oui, bah alors bougez pas. Mec dans l'abus, ça. Enfin, ça fera pas tout à fait pareil, mais. Comme ça? Ouais, ça pète sa mère, ouais! Ça va, vous faites des dates tous les jours, madame. Non. Assieds-toi, madame. Il faut que je m'assoie? Ouais, assieds-toi, madame. C'est sale un peu. Bah, nettoyez en dessous, s'il vous plaît. Bah, mettez-vous sur mes genoux, allez-y. Vos genoux. Mais bon, attendez, je m'assois mieux. Attendez. C'est pas ça là, c'est du coton tout droit de truc.
Je suis un peu lent, madame, désolé. Mais non, c'est pas ça. Ouais, voilà, allez-y, voilà, allez-y. Oula, comment? Ouais, allez-y, asseyez-vous, allez-y, ouais. Je m'assois là? Ouais, allez-y, ouais. Vous me retenez, hein, si je tombe. Hein. Non, pas de soucis, pas de soucis. Non? Attendez. Je réponds juste à un message. Comme ça, oui. Attendez. Bon, vous me faites chier, hein, sans un toit, vraiment. T'as dit quoi, madame? Vous me faites chier sur un toit. Quelle idée. Bon, et du coup? Oui, Bah, discutons, madame. Oui, discutons. Vas-y, lance la discussion. Oui, moi, je voulais sauter dans une flaque, hein. Vous me faites sauter dans le vide, là. Je comprends pas. C'est le néant, un peu. Ah, t'as faim? Comment? Non, rien, pardon, madame. Oui, allez. D'ailleurs, j'ai faim, attendez. Ah oui, j'ai des gros sushis à manger. Oui. Des gros sushis? Des gros sushis? Sushis. Ah. Moi j'ai un gros truc aussi, si vous avez faim, madame. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai un gros burger. Peut-être après. Tenez, un burger. Enfin, un muffin. Ah un oui. Un gros muffin. Un gros muffin, oui. Oui. Pas mal. J'allais dire quoi aussi? J'allais dire, vous cherchez quoi, vous, dans l'amour? Je cherche quoi dans l'amour? Oui. Alors déjà, pour m'avoir, monsieur Bijou, il faut me mériter, vous comprenez? C'est vous qui venez vers moi et c'est moi qui dois vous mériter. Oui, non, oui. Moi, oui, oui, d'eau, oui. C'est tout. Oui, oui, flaque d'eau, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui ça doit oui. être ça, ouais. Bon, écoutez, c'est pas moi qui avais là, hein, une matraque énorme dans le slibar quand je nageais l'autre jour. Ah oui, désolé. Alors ça, je suis vraiment navré, ça, c'est parce que c'est génétique, en fait. Désolé, madame. Oui. C'est ouais, c'est de nature, en fait. Oui. J'ai un gros zèbre, quoi, en fait, de nature. Oui. Tu aussi réveillé que ça? Pardon? Aussi réveillé que ça? Oh, bien sûr, bien sûr. C'est un cobra qui vient tout droit du Congo. D'accord, très bien. Voilà. Donc, ouais, bon. il on est sur un 18. 18? Donc, on est sur un 18 et 7 de large. Très bien. Donc voilà, c'est ah oui d'accord. Donc là quand il y a des chiffres, ça change de tenue. Oui. Ah bon. Oui d'accord. Oui, les chiffres sont très importants pour moi, vous comprenez. Ah oui d'accord, c'est. Oui. Ok, je vois. Donc ça c'est ce qui vous intéresse, quoi, en fait, directement. Comment? C'est ce qui vous intéresse, oui, vous. Oui, en fait ce qui m'intéresse c'est clairement les chiffres. Oh, d'accord. Oui. Les chiffres et le cardio, quoi. Oui. D'accord. Ouais, l'argent ne m'intéresse pas, j'en ai assez. On est sur du 20 minutes. On est sur du 20 minutes. Oui, vous pouvez pas faire plus? Si, on peut partir sur du 40 avec du miel. Avec du miel, c'est-à-dire? Non, c'est oui. Rien. C'est un glitch. Oui, c'est un oui. glitch. Et oui. Et voilà, quoi. D'accord. Et Putain, mais vous pouvez pas faire plus? Ah non, ça c'est au repos, ça. Ah oui. Oui, c'est au repos. Oui, enfin, au repos... Elle est malade. Oh, pardon, merde, j'ai parlé. Elle est malade. Pardon, elle est malade. Zadir, elle est malade. Ah, vous avez dit que j'étais malade. Mais non. Si, vous avez dit ça. Non, en gros, je suis malade de vous. Waouh, vous êtes mon médicament. Oui, bien sûr, oui. Excusez-moi. Ça vous dit qu'on fasse les sauts? Oui. Allez-y, parce venez que là, c'est gênant. Hein. Oui, c'est grave gênant. Ah! Aïe! Triplé monstre! Allez-y, je vous rattrape! Ah non, allez, oui. Allez, venez! Oui, madame. C'est là. Où ça? Là. C'est noir.
Venez. Oui, c'est vrai. Allez-y, descendez. Oh putain. Allez-y. Vous êtes sûr? Non, vous êtes sûr que ça va s'ouvrir? Ben oui, ça va s'ouvrir, allez-y. Non, mais parce que vous savez que je suis quelqu'un de très important quand même. Non, on peut sauter en premier. Bon. On va sauter. Non, mais on saute ensemble. Mais vous êtes fous? On saute ensemble. Mais ce n'est pas possible, Bijou. Bon, ok, bah allez, sautez en premier. Vous non, savez quoi? Vous sautez en premier. Vous avez dit que c'est à moi de vous mériter? Et ben là, on va voir l'inverse. Est-ce que vous serez capable, pour moi, de sauter en première? Non, bah non, pas du tout. Justement, si vous voulez mériter, vous sautez en premier. Et peut-être que ce soir, je vous rejoindrai dans une chambre d'hôtel. Non, madame, vous êtes une pite. Bon, ok. Bah, allez vous faire foutre. Sautez. Allez, hop. Non. Bijou. Allez, hop. On va voir si ça marche. Non, Bijou, non. Ne faites non, pas. Non, je fais pas ça. Oh bah non. Oh merde. Madame, ça a ouvert! Madame! Dommage, elle n'est pas morte. Elle était à ça de mourir. Dommage, elle n'est pas morte. Putain. Attends, je vais lui rentrer dedans. Sauf qu'elle sait pas que je suis trop fort mon parachute. Attends, je lui rentre dedans. Putain, mais elle va trop vite. Madame, c'est derrière, madame. Je suis là. Non, me tapez pas, s'il vous plaît. Non. Me tapez pas, s'il vous plaît. Non. Vous êtes tapé, madame. C'est stylé en vrai, hein. Il touche un arbre. Oula, ça. Ah, je t'ai pété la gueule. Oh merde.